le micro. Voilà. Attends, j'ai oublié de mettre le micro. Tac. et eh oui. bien oublié un truc. Alors, maintenant, vous devez m'entendre. Voilà. Donc, je refais mon entrée. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau live. Euh, live du 18 janvier 2022. J'espère que vous allez bien. Donc, le son fonctionne maintenant. <laughs> Petit quack. Ça arrive au meilleur d'entre nous. J'avais mon micro sur le côté. Ouh, il est un peu haut, lui. Normalement, je le cache. Attendez, bougez pas. J'ai oublié, oublié de régler ça. Attendez, on va le cacher, regardez. Hop, on le met à la limite. Voilà. Là, vous ne le voyez plus. Et normalement, vous devez quand même bien m'entendre. Euh, attends, si je le mets comme ça. Ouais. On va voir. Ça a l'air de fonctionner. Bon, euh, et bien voilà, un nouveau live. Alors, je vais commencer par quoi Donc, je vais commencer par, euh, euh, bah, par afficher le thème du live, bon aliment, mauvais aliment, comment les choisir. Alors, j'ai choisi ce thème parce que samedi dernier, j'étais au marché, j'ai parlé avec euh, l'ami d'une amie, on parlait alimentation, et je ne sais pas pourquoi ça m'a un peu énervé, parce que c'est toujours les mêmes questions. Euh, les personnes qui pensent que les céréales et les légumineux, c'est des supers aliments, qui vont manger plein, ils en mangent dix fois par jour. Et je me suis dit, eh ben une petite piqûre de rappel, et, euh, et on va parler de ça ce soir. Voilà. Alors, donc, l'actu de la semaine, je rappelle juste des petites choses. Pour chaque live, je demande à ce que des personnes, une ou plusieurs personnes, participent à la réalisation du plan. D'ailleurs, je suis en train de me dire que. Euh, je pourrais vous montrer à quoi ça ressemble le plan. Faut hum. que j'y pense pour la fois suivante. Euh, j'ai pas prévu, mais ce serait peut-être une bonne idée pour que les gens se rendent compte de ce que c'est. En fait, c'est vraiment pas compliqué. Euh, Est-ce que j'ai moyen de l'afficher hum, hum, hum. Je ne sais pas. Je vais essayer un truc. Bon, en tout cas, c'est très simple. Vous avez une colonne. Timecode, code normalement je devrais pouvoir l'afficher en faisant ça et ça est-ce que ça marche voilà ça fonctionne Donc, vous voyez c'est un petit fichier comme ça à remplir vous avez une colonne temps où vous mettez euh, euh, bah, le temps si c'est deux minutes 53 vous mettez 02 2.53 et puis vous mettez euh, de quoi je parle voilà alors pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que ça permet, à ceux qui n'ont pas euh, suivi le live en direct de savoir de quoi on a parlé voilà autre chose donc cela il sera disponible euh, en podcast j'espère à la fin de la semaine comme je suis encore dans les travaux et tout ça bon je sais pas encore euh, euh, ce que je vais faire mais bon je vais essayer de le mettre avant la fin de la semaine en, en ligne euh, donc le podcast, hein, un enregistrement audio, vous pouvez télécharger le fichier, vous l'écoutez euh, quand vous voulez, où vous voulez, sur votre smartphone, sur un lecteur MP3. Voilà, donc c'est juste l'audio, vous n'avez pas l'image. Et puis, et puis, euh, et puis, euh, où est mon pense-bête Eh bien, il est là. Alors, est-ce que j'ai oublié autre chose Non. Ah si. Donc pour poser vos questions, je vous rappelle qu'il y a un petit formulaire qui se trouve... Euh, qui se trouve, dont le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Donc vous cliquez sur le lien, vous remplissez le petit formulaire et moi ça va me permettre d'afficher vos questions à l'écran, ce qui est quand même bien pratique. Voilà. Alors on va passer à l'actu de la semaine. Hop. Donc l'actu de ces dernières semaines. Alors je vais commencer comme à chaque fois par vous montrer, euh, vous montrer quoi Ce que j'ai mangé. Voilà, qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui C'est juste pour vous donner des idées. On a commencé par un petit bouillon, Là, on voit le gras qui surnage sur le dessus, donc c'est un bouillon de légumes, toujours euh, hein, ma recette. Euh, je remplis une marmite de légumes euh, à craquer, à rabord, je mets de l'eau, du gros sel, euh, du sel gris évidemment de mer, j'ai mis une petite carcasse, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a un petit peu de gras. Et puis, et puis des épices. Et puis voilà, c'est un bouillon qui est super riche, super bon. En entrée en hiver, ça réchauffe. Moi, je vis à la campagne dans une vieille maison euh, où le système de chauffage, il euh, n'y en a pas trop. Donc, euh, le matin, quand on se lève dans la chambre, il fait entre 9 et 10 en ce moment. Euh, on descend une pièce, on traverse une pièce qui fait 9, on passe par l'extérieur, on re rentre dans une autre partie de la maison. Euh, là, il fait 14 et après, il faut que j'allume euh, le poêle pour faire monter un peu tout ça en température. Donc voilà, donc un, un petit bouillon bien chaud pour se réchauffer, ça fait du bien. Et puis ensuite, eh bien, euh, une, une bonne assiette de crudités. Alors, j'ai du mal à pas manger de crudités même en hiver. Moi, je suis un tempérament assez frêle. Hein, on voit les muscles que je n'ai pas. Et, et donc euh, voilà, pas trop, mais bon, comme je suis habitué à faire ça depuis euh, tout le temps. Euh, mon corps, il aime bien, ça pose pas de problème. Si j'ai froid, je mets une petite bouillotte sous les pieds en hiver, parce que, encore une fois, moi je vis dans une maison dont la température entre le sol et le plafond, c'est pas du tout la même. Au sol, il peut faire 14, et puis au niveau de la tête, il peut faire 18. Euh, et il fait euh, rarement plus. Donc, du coup, euh, comme je suis dans une pièce où il fait un petit peu froid, eh bien, je peux mettre une bouillotte sous les plis. Voilà. Donc, ne mangez pas dans le froid, c'est vraiment pas top. Donc là, vous voyez un radis violet à gauche, de l'endive en haut, en bas le vert fluo, c'est euh, mon image, j'ai pris un filtre un peu fluo, c'est du céleri branche, et puis des petits champignons de Paris avec une petite sauce, avec beaucoup d'ail. Alors, euh, je pense qu'il risque pas d'y avoir de vampires qui s'approchent de notre maison parce qu'avec tout l'ail qu'on mange. Bon, voilà. Donc on mange beaucoup d'ail. Ensuite, alors on dirait qu'il n'y a pas grand chose dans cette assiette, mais bon, c'est quand même, j'ai mangé que ça en fait comme plat principal. Un petit morceau de saumon, à droite du chou-fleur euh, cuit à la vapeur, à gauche un poireau cuit à la vapeur, et en bas un petit morceau de beurre pour vous montrer que enfin, on peut soit mettre de l'huile d'olive, euh, moi j'aime bien le beurre, et, et, et attention, attention au pied du micro, j'aime bien le beurre, et voilà. Donc, euh, Et le beurre, c'est un très bon gras, ça fait partie des bons gras. Pour les tempéraments comme moi, c'est un vrai médicament. Pour les tempéraments euh, en excès de poids, qui ont toujours chaud et tout, peut-être pas trop. Mais voilà, donc... Euh, ben voilà. Bon, dessert, on ne change pas une équipe qui gagne, il va peut-être falloir qu'on arrête quand même le chocolat, parce que là, il y en a deux, mais j'en ai mangé trois, et puis les jours suivants, c'était plutôt quatre. Donc, euh, ce serait bien qu'on arrête parce qu'on n'arrive pas à se contrôler. Voilà, on en mange un petit peu trop à notre goût. C'est trop addictif le chocolat. Là, c'est du chocolat à 70-75%. Je ne vous raconte pas quand j'achète du chocolat aux noisettes, aux amandes, derrière un taux de cacao, j'en sais rien. Moi, je le trouve tellement sucré, mais derrière peut-être 50-60% maximum de, de cacao. Mais là, la tablette, si je la plante pas... Eh ben, elle vit pas très longtemps. Je vais boire un peu de tisane. Hum, moyen. Alors, j'ai mis... Peut-être qu'elle n'est pas assez cuite. J'ai mis des graines de cardamome. Peut-être pas assez infusées, ouais. Des graines de fenouil, un peu de cannelle. J'aime bien les tisanes d'épices. Bon. pour J'aime bien quand il y a de la réglisse, mais on n'en a plus. Hum, ok. Donc, euh, voilà, alors on va passer ben, du coup à l'actu. Alors j'ai préparé tout un tas de choses. Commençons par le début. Alors euh, j'ai lu euh, dans un magazine qui s'appelle L'essentiel de la science, de, du mois de décembre je crois, vivre 30 ans et plus. Alors je me dis, euh, quand on voit les, le niveau de santé, plutôt de mauvaise santé des gens, à Partir de 60 ans, de la plupart des gens qui commencent à avoir des petits bobos ou des bobos plus importants, euh, vouloir prolonger cette vie ça n'a pas de sens. Si déjà on arrivait à faire en sorte que les gens vivent en bonne santé quasiment jusqu'à la fin, ce serait déjà pas mal. Donc il y a des scientifiques, je me dis, ils sont quand même euh, ils vont pas dans les bonnes directions. Hein. Ce serait bien qu'on soit en bonne santé jusqu'à la fin. Alors moi je, je vous donne des conseils qui vous permettra de rester en bonne santé. Bon, c'est clair que le, les recommandations officielles, si les gens les suivent, ça n'a pas l'air de trop bien marcher. Alors, autre chose qui n'a rien à voir, j'ai vu dans envoyé spécial il y a quelques semaines un documentaire sur les féminicides. Bon, hein, je, je pense que vous savez ce que c'est, hein, les femmes qui sont euh, ou battues ou tuées par leur conjoint, leur ex-conjoint. Voilà, bon, ça a été quelque chose de. Euh, comment dire de... dont on ne parlait pas hein, jusqu'à euh, il y a quelques années euh, donc les femmes elles se laissaient entre guillemets euh, battre et, euh, et harceler et tuer euh, sans rien dire et aujourd'hui c'est pas gagné hein, quand on voit que une femme, il y a son mari qui a, donc il y a eu un jugement, le mari n'est pas censé aller à sa maison il vient, elle l'appelle les gendarmes et puis les gendarmes, bah, du coup, euh, ils font pas grand chose Hein, il demande, est-ce qu'il a un fusil, est-ce qu'il est rentré chez vous Bah non, mais il est là, il me fait peur, euh, je ne sais pas ce qu'il va faire. Bon, bah s'il n'a pas de fusil et qu'il n'est pas en train de vous tuer, c'est pas la peine de nous appeler. En gros, c'est ça. Hein. Donc euh, voilà, il faut se mettre à la place de ces femmes qui vivent dans la peur. Moi, je le fais, ça m'énerve et euh, voilà. Euh, je trouve que c'est quand même grave qu'il euh, bah, qu n'y ait pas... Euh, vraiment euh, quelque chose qui protège ces femmes voilà alors on reste toujours sur france 2 parce qu'en spécial c'est sur france 2 une autre émission que je regarde je manque pas cache investigation alors j'adore parce que c'est fait comme un petit euh, un petit euh, film policier avec des enquêtes et tout avec euh, euh, le, mince, le du C qui euh, qui, euh, qui court après' euh, <laughs> qui court pour essayer de, de choper Olivier Véran, puisque là le thème c'était les inégalités au niveau de la santé. Alors on apprend des choses intéressantes, hein. on apprend qu'un néphrologue, grâce aux dialyses et aux petits papiers qu'il signe, chaque fois qu'il signe un papier, il y a 40 euros qui rentrent dans la caisse, qui fait à la fin d'une journée moyenne de 100 patients, pour lesquels des fois la consultation est dure une vingtaine de secondes, hein, puisqu'il fait rien en fait, des fois le patient adore, il passe, il signe la feuille et puis il fait rien. Des fois, il passe au patient. Alors, comment vous allez Ça va Ouais, bon. Et voilà. Donc, ça fait quand même 4000 euros la journée. Ça fait quand même beaucoup. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais 4000 euros la journée, ça fait beaucoup, quand même, beaucoup d'argent. Euh, voilà. Euh, alors, après, il y a l'histoire des greffes rénales qui sont refusées par euh, certains hôpitaux parce que, en fait, ça rapporte beaucoup moins que des dialyses. Alors, euh, dialyser un patient, à peu près euh, 600 000 euros. Par an. Vous imaginez, 600 000 euros par an. Et euh, donc, une greffe, ça rapporte bah, trois fois moins. Donc, c'est vrai que ce n'est pas intéressant. Donc, il y en a qui vont euh, euh, dire que la greffe n'est pas possible pour différentes raisons, ou ne pas vouloir faire de greffe. Euh, parce que ça rapporte moins. Ça rapporte moins. C'est des clients qui rapportent moins. c'est plus des patients, ce sont des clients. Et euh, voilà. Et, et puis, les dialyses entraînent plein d'effets secondaires qui ne sont pas top. Moi je savais pas tout ça, très sincèrement je savais pas, j'ai pas de personnes dans ma famille qui sont dialysés, donc je savais pas qu'il y avait autant d'effets secondaires. Je me disais, bon, à la limite une machine qui filtre sang, le sang, c'est très bien, mais non, apparemment il y a plein d'effets secondaires. Voilà, et puis alors après moi, vous imaginez, on me refuse un test Covid de je sais pas 30 euros, et à côté de ça on va dépenser des centaines de milliers d'euros. Par an pour un patient. Bon, mais je vais en parler dans quelques instants. Alors après, nous avons les cliniques ou les hôpitaux qui opèrent les cancers sans avoir d'autorisation. Alors là, je ne savais pas non plus qu'il y avait besoin d'une autorisation. En fait, c'est simple. C'est que pour que cette autorisation soit donnée, il faut que la clinique opère un certain nombre de cancers par an. Ce qui semble logique. En gros, vous avez des hôpitaux euh, dans lesquels les chirurgiens vont opérer 100, 200 fois tel type de cancer, et du coup ils vont avoir de l'expérience, et ils sauront faire face aux, euh, aux problèmes qu'on peut rencontrer, hein, aux difficultés liées à une opération, parce qu'un corps humain, ce n'est pas, euh, pas quelque chose de figé, hein. donc il peut y avoir des imprévus, et donc ces, chi ces chirurgiens qui ont l'habitude d'opérer euh, régulièrement, et bien, ils vont avoir de l'expérience. Et c'est pour ça qu'il y aura beaucoup moins de décès et beaucoup moins de complications après l'opération. Donc, euh, ben voilà. Alors, euh, le site, euh, là, il faut aller sur le site France Info, euh, parce que toutes les recherches qu'ils ont faites pour ce reportage qui a pris deux ans, quand même, eh bien, elles ont été mises sur le site et on peut voir les hôpitaux euh, à risque et les hôpitaux dans lesquels on a plus de chances d'être bien opéré. Voilà, donc je vous regardez vous tapez cache investigation, euh, hôpitaux, euh, France Info, j'en sais rien. En tout cas, voilà, c'est quand même intéressant à savoir. Alors, euh, autre chose. Alors, euh, alors, on me demande souvent des vidéos de faire une vidéo, j'avais dit que j'en ferais sur les tempéraments. Je ne les ai pas faites, j'ai pas le temps, et puis je n'ai pas forcément l'envie de, de me taper des heures de montage derrière mon ordinateur. Donc, euh, donc voilà. Donc jean brice Stivens. Alors T-H-I-V-E-N-T. Euh, -E il a fait plusieurs vidéos que je trouve très intéressantes sur les tempéraments, d'autant plus intéressantes que j'apprends des choses. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste. Lui, il, il a créé une école de naturopathie en Alsace et du coup, il enseigne et forcément, il a, euh, il a toutes les connaissances dans ce domaine-là. Donc euh, euh, j'ai fait quoi Je lui ai envoyé un petit message pour lui dire que bah, j'avais envie de parler de lui, de son école, parce que c'est vrai que je recommande aussi son école quand on me pose une question quelle école de naturopathie tu conseilles, vu que moi, la première que j'ai faite n'existe plus, et Robert Masson est décédé, donc je ne sais pas ce que vaut aujourd'hui euh, l'école de Robert Masson sans Robert Masson, sachant que c'est lui qui donnait les cours. Donc euh, voilà, donc du coup, je suis bien embêté. Alors, euh, ben, je conseille, enfin, euh, je suis bien embêté parce que je n'ai pas l'expérience. Euh, des écoles hein, qu'on peut trouver aujourd'hui. En tout cas, celle de Jean-Brice euh, avec ce que je peux voir à travers ses vidéos, ça me semble être une, une école vraiment sérieuse. Puis j'aime bien ce qu'il dégage et tout ça. Donc je lui ai envoyé un petit message, il m'a répondu. Euh, j'ai fait ça, on a fait ça dimanche, et puis euh, et puis lundi, ou samedi, je ne sais plus. Et puis lundi, et du coup, on s'est appelé. Donc j'ai pu échanger euh, avec lui, on a un petit peu papoté, on a fait connaissance. Et on en est venu à, à se dire que ce serait bien qu'on fasse un live tous les deux, un live spécial tempérament. Je pense que ça vous intéressera, en tout cas ça intéressera certaines personnes. Alors moi je lui poserai des questions, euh, sachant que là du coup le spécialiste c'est pas du tout moi, moi je suis vraiment euh, pas du tout spécialiste. Dans mon école on a appris juste les tempéraments hippocratiques, et les naturopathes aujourd'hui vont se battre, donc il y a quatre, euh, quatre tempéraments, et aujourd'hui, eh on utilise les tempéraments, je sais même pas comment ça s'appelle, ça a été créé par MarchéSaut, euh, Marcheseau ou Rousseau, je ne sais plus. Bref, il nous expliquera tout ça. Et, et donc, il y en a sept, c'est plus complet. Donc, on fera ça très prochainement. On se fait une petite réunion tous les deux, jeudi après-midi, on va faire un petit test pour vérifier que tout fonctionne bien. Et puis, euh, la semaine suivante ou encore la suivante, on va faire le live, tout simplement. Voilà. Alors, je mettrai euh, sur la page Facebook de l'orme vert, je mettrai un petit post. Je mettrai un post aussi sur la chaîne YouTube. Et dans ce post, vous aurez un lien qui vous permettra de poser vos questions à l'avance. Euh, et bien, je programmerai le live aussi. Et oui, je ferai comme d'habitude. Voilà, je bois par petites gorgées. Parce que boire tout d'un coup, ça vous bloque la digestion, et comme ça ça m'évitera, comme je parle, je perds beaucoup d'eau et ma bouche s'assèche, ça m'évitera d'avoir en fin de live la bouche complètement asséchée. Donc voilà, euh... donc euh, très prochainement, live sur les tempéraments. Alors je vais vous parler maintenant un petit peu du Covid, parce qu'entre le dernier live et ce live, eh ben, on a eu l'histoire du pass vaccinal, et il y a plein plein de choses qui remontent, ce qui est très bien. Et j'ai eu des réflexions que je vais vous partager. Alors, ma première réflexion, ça a été, euh, et ben moi j'ai coûté, depuis le début de l'épidémie, zéro euro à la société. Euh, donc, mon entreprise n'a pas eu d'aide. Je n'ai bénéficié à titre personnel d'aucune aide. Je n'ai pas fait de test PCR, aucun. Aucun test. Donc, euh, qui sont quand même qui sont remboursés, mais que c'est nous, les citoyens, qui devons les payer, hein, parce que Macron est gentil à, à, à dire aux gens de, de faire des tests, mais à 1 milliard d'euros par mois le coût pour nous, je trouve que ça fait quand même cher, parce que l'air de rien, cette crise Covid, il va falloir des générations et des générations pour arriver à rembourser tout ce que ça a coûté. Donc Macron, il est là, il prend ses liasses de billets et puis il y va. Euh, il envoie euh, de l'argent aux sociétés là en fait euh, j'écoutais, euh, je ne sais plus où j'ai écouté ça mais euh, il disait que euh, les... ah oui, c'est Hugo Décrypte qui dit que les grandes fortunes ont augmenté entre le début de l'épidémie et puis maintenant et eh bien Bernard Arnoux hein, le directeur de LVMH il est passé d'une fortune de à peu près 60 milliards d'euros à 160 milliards d'euros à peu près voilà, et donc toutes ces aides que Macron a données gentiment aux sociétés, ben, c'est les plus riches qui en ont profité. Voilà. Donc euh, ben moi j'ai rien coûté à la société, j'ai rien coûté à personne. Par contre, moi je dois payer tous les mois à ceux qui ont coûté. Je dois payer ceux qui sont faits vacciner, parce que le vaccin qui est gratuit, c'est tous les Français qui le payent. Donc moi je vais payer pour les vaccins des autres. Ce n'est pas un problème, puisque le système il est fait comme ça et que j'accepte le système. Si j'ai un problème, je veux que la société prenne en charge mon problème de santé. Et, et donc, moi, en contrepartie, ben je paye pour les autres. Voilà. Même si moi, je n'ai rien coûté durant cette épidémie, eh ben je paye pour les autres, c'est la règle du jeu. Par contre, quand on me dit que je ne suis plus un citoyen et que. Euh, et que enfin, a, vous imaginez, il y a certains qui ont dit qu'il faut confiner Estrosi euh, qui dit qu'il euh, faut confiner les, <laughs> les non vaccinés. Il <laughs> y a vraiment des politiques, c'est vraiment des débiles profonds. Mais bon, ce n'est pas nouveau. Euh, voilà. Donc, euh, bon, euh, je rappelle juste que, alors moi, j'ai un statut de travailleur indépendant, donc je paye 45% de charges à l'URSSAF. Voilà, donc moi, je vais euh, payer, je vais cotiser et tout ça, et, et puis en échange, eh j'ai droit à rien. Et à côté de ça, bah, alors bon, il y en a plein qui ont pris cet exemple, mais par exemple, un fumeur qui est responsable, hein, il achète des cigarettes. Sur 100 fumeurs, on sait qu'il y en a 50 qui vont avoir un cancer du poumon. Ce cancer du poumon, il va coûter des centaines de milliers d'euros à la société. C'est pris en charge. Donc Macron ou euh, Olivier Véran, les fumeurs, ça leur pose pas de problème. Par contre, moi, je ne me fais pas vacciner pour mes raisons, parce que j'ai quand même le droit de, de décider de ce que je mets dans mon corps ou pas. J'ai quand même le droit de faire un peu ce que je veux, hein, dans la mesure où euh, moi, je fais attention par rapport aux vaccinés qui, certains, certains qui font un peu n'importe quoi. Moi, je fais attention, et du coup, c'est pour ça que je ne me chope pas le Covid, comme aujourd'hui, tout le monde autour de moi a chopé le Covid. Voilà, donc, euh, bah, je prône une bonne hygiène de vie, je fais en sorte avoir une bonne hygiène de vie, je mange bien, euh, je me bouge un petit peu, j'ai un sommeil euh, voilà, qui me permet d'avoir un, un système immunitaire à peu près correct. Et puis, à côté de ça, on a des gens qui vont se faire piquer, qui vont se faire vacciner, qui vont avoir une hygiène de vie de merde, qui vont se retrouver à l'hôpital, voire en réa, et ça, ça ne pose pas de problème. On a un gouvernement qui, vraiment, on marche sur la tête. Alors, autre chose, j'ai découvert un certain Rémy Tell, que je ne connaissais pas, qui est le fondateur du collectif Peuple, Peuple, Peuple Libre, et euh, bah, ce qu'il dit, euh, je trouve ça assez intéressant. Alors, euh, pourquoi est-ce que le gouvernement veut absolument faire vacciner tout le monde Bon, ce n'est pas pour l'argent que ça pourrait rapporter aux labos, parce que les labos, ils ont déjà 90% de clients assurés, des gens qui sont des gentils moutons, pour certains, pas tous, parce qu'il y en a un certain nombre, ils font ça par obligation, mais en tout cas, il y en a, qui ne leur pose pas de problème d'aller se faire vacciner tous les 4 mois. Donc, ils ont leurs clients, clac, clac, le tiroir-caisse, il fonctionne à fond. Euh, donc voilà, d'après lui, c'est pas ça. D'après lui, la raison principale, ce serait que, en faisant vacciner 100% des gens, on supprime le groupe témoin des non-vaccinés. Si dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans dix ans, on veut comparer les effets des vaccins, euh, il faut bien qu'il y ait un groupe témoin, il faut bien qu'il y ait des non-vaccinés, il faut comparer des vaccinés avec un groupe de non-vaccinés pour voir les effets secondaires. S'il n'y a plus de groupe témoin, si tout le monde est vacciné, eh ben on ne pourra pas voir les effets secondaires. Et les labos et les gouvernements, ils sont tranquilles, on ne pourra rien contre eux, on ne pourra rien leur dire. Donc c'est cette théorie qui me semble tout à fait logique. Et euh, voilà, parce que bon, dans les problèmes qu'il qu y a eu avec le vaccin, il y a eu euh, des crises cardiaques, des maladies auto-immunes, il y a des choses, euh, voilà, des problèmes de thrombose, de, bon, il y a quand même des choses pas anodines. Les effets secondaires, il y en a pas mal, et c'est normal parce que c'est quand même le premier vaccin qu'on administre à quasiment tout le monde en fait. Jusqu'à présent, on administrait à une certaine partie de la population, là, tout le monde y passe. Et puis en un coup surtout, parce que quand vous vaccinez des petits groupes, hein, quand on vaccine par exemple, alors je sais plus, il y a 500 000, 600 000 naissances par an, donc on vaccine des enfants, et ben forcément, on va avoir un certain pourcentage d'effets secondaires. Mais sur 600 000 enfants, ça fait pas beaucoup. Ben, quand vous vaccinez euh, 60 millions de personnes, ou je ne sais pas combien on est, ou euh, 50 millions, forcément, les effets secondaires, ben, ils arrivent très rapidement. Et puis surtout quand on vaccine d'un coup. Euh... Voilà. Alors il y a un autre truc aussi, ce sont. Euh, là encore une fois, je ne savais pas. Si un vaccin est obligatoire, c'est le gouvernement qui est responsable, et du coup. Si vous vous tombez malade, si vous avez des effets secondaires, ça va être pris en charge par la société. En revanche, si le vaccin n'est pas obligatoire, et donc c'est là que le passe vaccinal apparaît, ce n'est pas un vaccin obligatoire, c'est un passe vaccinal, c'est une embrouille, on fait comme si, comme si la vaccination était obligatoire, mais ce n'est pas le cas légalement, et bien à ce moment-là, si jamais vous avez des problèmes, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Voilà, en gros c'est un petit peu ça. Les, euh, nos gouvernants ne seront pas responsables et, et c'est un problème. Et il y a aussi le fait que euh, c'est pas un vaccin, ce ne sont pas des vaccins qui sont finalisés puisqu'en moyenne il faut une dizaine d'années pour faire un vaccin. Du coup, c ce sont des vaccins expérimentaux et là encore une fois, eh ben, euh, la loi, euh, elle est faite pour les vaccins euh, finalisés. Voilà, donc tout un tas d'embrouilles. Hein. Euh, alors, petite remarque aussi au sujet des, euh, du mot anti-vax. Alors, moi, c'est un truc qui me gave d'entendre ça. Il y a soit les vaccinés, soit les anti-vax, et il n'y a rien d'autre. Alors, pour moi, ce que j'appelle moi anti-vax, ce sont des gens qui sont contre la vaccination, contre toute la vaccination, ce qui pour moi n'a pas de sens. La vaccination, certains vaccins ont un intérêt pour une certaine population. Et être anti-vax, c'est euh, bah, entrer en religion, tout simplement. Voilà. C'est des gens qui entrent en religion et donc ils vont dire euh, qu'ils sont contre la vaccination, c'est une croyance. Bon, ça n'a pas trop de sens. Hein. Pour moi, ça n'a pas trop de sens. Alors, il y a les non-vaccinés, il y a les anti-vax, et il y a les vaccinés. Et on peut être vacciné, euh, non-vacciné, et ne pas être anti-vax. Hein. Il y a plein de gens, c'est le cas. On peut être non vacciné pour différentes raisons. Hein. Chacun a le droit de ne pas se faire vacciner s'il n'a pas envie. On ne va pas euh, obliger les gens à ne pas fumer. On ne va pas obliger les gens à arrêter de manger la merde qu'on a euh, dans les fast-food. Bon, et ben bah, voilà, pourquoi est-ce qu'on obligerait les gens Parce qu'en fait, on pourrait dire que ces gens qui fument et qui mangent de la merde, bah en fait, ils se, ils se tuent à petit feu. Qu'on bah, qu les laisse faire, hein. bah, moi qu'on me laisse faire, s'il y en a qui pensent que en ne me vaccinant pas je vais mourir, bah, si c'est mon choix, voilà, c'est comme ça. Donc euh, voilà, il n'y a pas que les anti et les vaccinés, il hein, y a tout un dégradé avec différentes personnes. Euh, bon, alors il y a plein de choses, alors je vous mettrai, peut-être que je mettrai les liens après parce que. Il y a pas mal de vidéos intéressantes, alors tout, tout lié euh, au Covid, aux effets secondaires. Il y a par exemple le Parlement euh, allemand qui a demandé le 7 janvier euh, de, une, une enquête pour déterminer pourquoi il y a plus de morts en 2021 hors du Covid. Voilà, bon, il y a des choses intéressantes. Euh, Qu'est-ce qui est encore intéressant Alors l'adresse DRESS, je ne sais plus euh, de quoi c'est l'acronyme, montre qu'en décembre 2021, deux tiers des personnes décédées du Covid étaient vaccinées. Voilà. Euh, parce qu'aujourd'hui, par exemple, si au sujet... Il y a deux semaines, j'ai parlé des frères Bogdanov, il y a plein de gens qui disent oh, c'est quand même dommage, s'ils si, si avaient été vaccinés, ils ne seraient pas morts.' Euh, bah non, ça n'a rien à voir. La vaccination, euh, ça ne protège pas de la mort, puisque deux tiers des personnes qui décèdent, enfin qui, qui, qui sont décédées en décembre 2021, donc très récemment, étaient vaccinées. <coughs> Après, il y a l'IHU de Marseille qui a démontré que la charge virale des personnes vaccinées était plus importante que celle des non-vaccinés. Il y a eu des vidéos intéressantes, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des vidéos intéressantes euh, qui. Euh, alors attends, euh, ouais, donc le, le Covid touche les jeunes maintenant. Alors on entend souvent, on entend dire. Un médecin qui dit ⁇ Oh, ben moi, dans mon hôpital, là, j'ai encore eu un jeune qui est rentré de 30, 35 ans, il avait le Covid, il était en Réa et tout. ⁇ Oui, mais c'est euh, une exception. Parce que les chiffres, alors les chiffres officiels, c'est simple. Euh, les chiffres de santé publique France, alors le 8 janvier 2022, sur 3821 personnes en Réa, 328 avaient moins de 40 ans, c'est-à-dire 11%. Donc, d'un côté, il y a les médias qui nous font croire que ça y est, les jeunes, enfin les moins de 40 ans, ils sont, ils se retrouvent en réa. Non, c'est 11%. Alors, c'est plus qu'au début de l'épidémie, peut-être, mais ça reste que 11%. Et, euh, et autre chiffre, sur tout le mois de décembre, il y a eu 4462 décès liés au Covid. Et euh, sur ces décès, eh ben, 28 avaient moins de 40 ans. Donc, j'ai fait le calcul. Ça fait 0,6%. Donc on est loin de l'explosion des, euh, des morts euh, des, euh, des, des moins de 40 ans qui meurent du Covid, hein, comme nous font croire à certains politiques. Euh... Alors une vidéo de Raoult assez intéressante, je vous mettrai le lien. Euh... Alors bon, il nous dit par exemple sur 1000 cas d'Omicron. Donc le nouveau variant, il y a eu un seul mort et c'était une personne très âgée qui avait reçu trois injections vaccinales. Voilà, donc apparemment le vaccin ne protège pas, encore une fois, contre la mort euh, du Covid-19. Euh, et donc Omicron, il ressemble beaucoup, hein, c'est ce que je disais la dernière fois, hein, il semble être la solution à, à cette problématique, il ressemble beaucoup aux rhinovirus qui sont responsables des rhumes. Et qui sont anodins pour 99% de la population, mais qui peuvent tuer évidemment toujours pareil des personnes hyper fragiles. C'est normal, c'est dans l'ordre des choses. Faut pas oublier que nous sommes mortels, qu'on ne peut pas empêcher tout le monde de mourir, que c'est comme ça, c'est dans l'ordre des choses. Euh... Alors après, voilà, effet de la vaccination sur l'épidémie par le professeur Raoult. Là encore une fois, une vidéo intéressante. Euh... Où il rappelle que la vaccination c'est pas une religion, hein, c'est ce que je dis tout à l'heure, dire qu'on est pour ou contre, ça n'a pas de sens. Euh, il y a des vaccins qui ont un vrai bénéfice et peu de risques, alors que d'autres, hein, il donne des exemples, euh, d'autres vaccins sont plus dangereux qu'ils protègent. Voilà. Alors, petite remarque que j'ai faite hier, euh, est-ce que ce sont vraiment des vaccins, en fait, les trucs qu'on nous injecte Avant le Covid, un vaccin, ça servait à empêcher d'être malade et à empêcher la propagation du microbe. Voilà, c'est la définition d'un vaccin, euh, sinon je ne vois pas trop à quoi ça sert. Hein. Et un vaccin, a priori, ça a une action durable, de 10 à 30 ans suivant les vaccins. La seule exception, c'est le vaccin contre la grippe, qui d'ailleurs est un vaccin qui marche très mal, puisque, euh, bah, comme euh, on le sait, euh, le virus de la grippe mute, c'est entre le moment où on fabrique le vaccin et le moment où on a le virus. Enfin, le virus arrive chez nous, mais bah, c'est parfois pas le même euh, virus, il a muté et du coup le vaccin il est peu ou pas efficace. En tout cas il est, il est peu efficace. Alors mais sauf que depuis le Covid tout a changé. On appelle le vaccin une, une substance qu'on nous injecte qui n'empêche pas la, pro, la propagation du virus. Voilà c'est nouveau. Qui n'empêche pas de tomber malade. Ça aussi c'est nouveau. C'est à dire qu'on est vacciné mais on sait qu'on peut tomber malade et qui n'empêche pas de mourir. Donc on se vaccine, on peut Propager le virus, on peut tomber malade et on peut mourir du Covid. Je rappelle, deux tiers des morts en décembre, ils étaient doublement vaccinés. Euh, bon, voilà. Et, et puis surtout, on, nous injecte, on doit nous injecter ça tous les quatre mois parce qu'on s'est rendu compte qu'au bout de deux mois et demi, euh, l'efficacité est, est, est chutée. Donc pour moi, ça ne s'appelle pas un vaccin. Ça s'appelle une grosse daube, ça, ça peut être ce qu'on veut, mais ça s'appelle pas un vaccin. Alors certes, D'après statistiques, ça diminue les formes graves. Donc quand on raisonne statistiquement, effectivement, voilà, c'est ce qu'on peut dire à ce, à ce produit. Et on ne peut pas appeler ça un vaccin, je suis désolé, ce n'est pas un vaccin. Euh... Alors après, je me suis, bon j'en ai encore pour 5 minutes et après j'arrête. Euh, je me suis amusé à regarder les, euh, la hausse des décès en 2020. Alors la hausse des décès en 2020 euh, selon euh, l'Insee. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, eh ben, les décès, ils augmentent. Alors on a une courbe. On regarde les confinements et eh ben, les décès, ils augmentent. Euh, ils augmentent pendant les confinements. Donc à croire que les confinements, alors ça peut sembler un peu logique quand même. Que les confinements ont augmenté les décès. Pourquoi Parce que les gens ils avaient peur d'aller chez leur médecin. Il y avait plein d'interdictions. Ils avaient peur d'aller aux urgences euh, où ils n'osaient pas. Et puis, et puis après les gens ils se sont retrouvés confinés. Donc il y en avait un qui chopait le Covid, ben bah, il pouvait le refiler à toute la famille. Donc ces confinements euh, apparemment ils ont fait plus de mal que de bien. Euh, voilà. Et après, euh, alors les chiffres commencent à sortir au sujet des décès en 2020. Apparemment, il y aurait eu 42 000 morts du Covid en 2020, dont une majorité de plus de 70 ans, et plus de 50% de personnes qui, euh, qui étaient dans des EHPAD. Voilà, donc ça fait moins que les 65 000 morts annoncés au départ. Voilà. Euh, après, je voulais vous montrer un petit. Euh, attends, j'ai mis ça où moi Parce que là, je sais plus. Euh, je sais plus. Je sais plus. Ah oui. Alors un, un petit truc. Alors, je prends mes sources. Euh, je sais plus. Ça doit être ça. Et après, c'est non. Il faut que je fasse ça. Alors, j'ai pris mes sources euh, bah, sur les trucs officiels, hein, évidemment. Euh, alors attends, tu es où toi voilà, ça. Et après ça. Alors c'est un document euh, analyse de l'activité hospitalière 2020, voilà, la TIH, Voilà, un truc officiel que j'ai téléchargé. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici que le nombre, que le, le poids des patients Covid dans l'activité hospitalière par chien, vous imaginez, touchant confondu, 2% en nombre de patients. 11% nombre de décès, mais 2% nombre de patients. Ça veut dire que aujourd'hui enfin aujourd depuis le début de l'épidémie, on, on nous fait croire que l'hôpital est surchargé et tout. Mais vous imaginez, 2%. C'est euh, voilà. Alors, ces chiffres, hein, il y en a certains qui les ont, euh, qui les ont euh, divulgués. Bon, voilà, ça reste quand même un document officiel. Donc, c'est pas quelque chose que je sors de mon petit chapeau. Et euh, autre chose que je voulais vous montrer, non, il faut que je revienne là. Autre chose, alors, hop, bon, alors quand vous tapez euh, dans un moteur de recherche, bon là c'est Bing, mais peu importe, hein. quand vous tapez euh, décès Covid en 2020, vous avez un petit tableau, vous voyez, et alors, on... donc là j'ai mis sur les décès, alors ce qui est quand même marrant, c'est que, enfin marrant, c'est pas amusant. Et qu'on voit que les décès, ils ont augmenté. Alors, il y a eu une quantité massive de vaccination euh, durant l'été, à la fin de l'été et à l'automne. Donc, logiquement, si le vaccin y marchait, bah, la courbe des décès ne devrait pas monter, elle devrait descendre. Logiquement, on est d'accord. Et là, on a une augmentation des décès en fin d'année. Donc Ça prouve que quand même, il y a quelque chose qui ne marche pas. En tout cas, que la politique actuelle, euh, elle n'est pas suffisante. Alors après, bah, les vaccinations, voilà, on voit le nombre de vaccinations, qui a diminué après à l'automne, mais on a eu une quantité absolument colossale de personnes vaccinées, pour bon, un petit regard en décembre, et puis ça n'a pas empêché les gens de, bah, de continuer à mourir. Hein. Et là, c'est quoi Et là, c'est les cas. Donc c'est pareil, c'est quand même intéressant de voir que, en dépit de cette vaccination massive, eh ben, on a des cas qui, euh, qui ont exposé. Alors bon, les cas, ça ne veut rien dire, on est d'accord les spécialistes s'accordent pour dire que ça ne veut rien dire du tout puisque on mesure des personnes qui sont asymptomatiques euh, bon allez je vais arrêter sur le covid alors petite remarque on va finir on va finir dans les dans les trucs un peu rigolos alors, quelqu'un m'a envoyé un message. Donc, c'est une coach de développement personnel, de motivation et du bien-être, naturopathe. Je suis amoureuse de la pleine nature et des chevaux. Alors, elle m'envoie un message. Bonjour, je connais une personne qui a un souci de santé. Son pied droit est gonflé depuis juillet 2020, couleur rouge. Elle n'est pas grosse. Elle mange des aliments sains, saines. Enfin, mon petite faute. Jus de légumes, machin, des fruits, mais pas de viande. Mais elle a beaucoup de stress à cause de son environnement. Elle fait des jeûnes secs. Et eau, depuis longtemps, elle était sportive, mais pour l'instant, elle arrêtait. Comment puis-je l'aider pour dégonfler sa jambe Bien sûr, par des produits naturels. Je voudrais avoir votre avis. Merci de me répondre bien à vous. Et puis, j'avais pas répondu, j'avais pas lu son message. Donc, euh, quelques jours après, elle me redemande, merci de me répondre. Et j'ai pris une ou deux minutes pour lui répondre. Je lui ai dit bonjour, désolé, mais je ne suis pas encore voyant. Je lui recommande d'aller voir un thérapeute qui pourra l'aider. Parce que très sincèrement, quelqu'un qui a le pied gonflé depuis six mois... C'est sûrement pas des petits conseils de naturaux à distance. Très sincèrement, les gens ils sont euh, inconscients parfois de remettre la santé, leur santé ou la santé de personne entre les mains d'un thérapeute qui n'a même pas vu ce qu'elle a parce qu'elle peut avoir plein de choses. Ce gonflement ça peut être lié à plein de choses. Donc, moi, euh, je lui mets je ne suis pas voyant avec un petit clin d'œil euh, et elle, elle me répond Est-ce que je vous ai demandé ceci donc, non, donc allez vous faire foutre. Un conseil, faites attention à vos paroles. Vous avez des gros problèmes mentaux, mentaux pauvre monsieur. Voilà ce qu'elle m'a répondu, cette chère euh, Maria. Et je ne vais pas en dire plus pour pas que vous retrouviez son profil et pour pas que certains euh, l'insultent parce que malheureusement c'est ce qui arrive. Moi, ce n'est pas du tout mon but. Voilà. Donc il y a des gens quand même qui euh, bah, qui sont pas bien, quoi. Qui sont pas bien. Alors je me dis en plus. Ils de développement personnel, de motivation et du bien-être, ça fait un peu peur. Hein. Bon, il ya de tout dans notre joli monde, ça fait un peu peur. Elle me demande des conseils, je lui dis que la personne doit quand même aller voir un thérapeute, et elle m'envoie bouler comme une, euh, voilà, comme une grosse merde. Bon. Euh, bon, il y a d'autres choses, mais j'en parlerai la prochaine fois parce que je n'ai pas eu le temps. Je n'avais pas prévu que ça prendra autant de temps euh, cette actu de la semaine, donc on va passer tout de suite au thème du jour, qui est hop, hop et hop, qui est donc euh, les bons aliments, les mauvais aliments, comment les choisir. Alors, il y a déjà eu pas mal de questions. Je vous rappelle que pour poser vos questions, eh bien, hop, on va mettre le petit bandeau. Vous avez un lien en dessous dans la vidéo, vous remplissez le petit formulaire et votre question s'affichera comme par magie à l'écran. Alors, bon, comme je vous disais au début, ce live j'ai voulu le faire parce que, euh, bah parce que voilà, ça m'a pris comme un coup de sang euh, samedi. Je, en plus j'étais un petit peu énervé parce que je me suis dit, c'est pas possible, mais les gens, ils, ils le font exprès. Mais non, ils ne le font pas exprès en fait. J'avais pas de raison d'être énervé, mais j'étais quand même énervé. C'est toujours les mêmes questions et puis c'est toujours des gens qui croient bien faire des végé machin ou à tendance végé. J'arrête de manger de la viande, c'est bien de pas manger de viande. Euh, par contre, je me gave de sucre sous forme de céréales, sous forme de légumineux, sous forme de légumes racines, sous forme de sucre avec un goût sucré. Hein, les fruits séchés, les dattes les pruneaux et tout ça, c'est très bon pour la santé, le sucre concentré comme ça. Et puis le miel, c'est super bon. Et puis je me... Je me gaffe de sucre parce que, ben parce que parce que je suis accro quoi. Voilà. Donc euh, voilà pourquoi j'ai fait ce live pour euh, bah pour que je rappelle quand même certaines choses qui pour moi sont évidentes mais qui ne sont pas pour beaucoup de gens. Donc vous voyez en début de live ce que je mange c'est c'est ce que je mange vraiment. Euh, normalement j'aurais dû manger de la viande euh, de la viande de la langue de bœuf à midi que j'ai fait moi-même j'ai acheté une grosse langue Sauf que euh, j'avais pas prévu qu'il fallait en gros 3 heures, 2-3 heures de cuisson, donc euh, voilà. Donc ce sera pour demain, a priori. Euh... Donc c'était du saumon à la place, mais bon, je mange des légumes crus et cuits, une protéine animale de qualité, et puis du gras, du bon gras, et puis bah, le reste et en plus. Je mange pas de céréales au quotidien, pas de pâtes, pas de pain, pas de riz, pas de pommes de terre. Euh, dans mes soupes, je ne mets pas de pommes de terre. Je ne mange pas de légumineuses au quotidien, c'est exceptionnel, d'autant plus c'est très difficile à digérer, ça amène des gaz, c'est plein de fibres, ça contient très peu de protéines. Euh, je rappelle que les lentilles sèches, crues, non cuites, c'est 24% de protéines que jusqu'à preuve du contraire, c'est pas ça qu'on mange quand vous les faites cuire, donc vous allez rajouter de l'eau évidemment. Et eh ben le taux de vous ce que vous mangez, quand vous mangez 100 grammes de lentilles cuites, c'est 8 de protéines. La viande, on est à peu près à 26. Donc euh, déjà, il y a beaucoup moins de protéines végétales dans les lentilles ou dans toutes les légumineuses, il y en a beaucoup moins et en plus, et eh ben il y a des tempéraments comme moi qui ne sont pas capables de les assimiler. Pourquoi eh ben, parce que une cellule animale, c'est simple, c'est une membrane hein, qui est faite de gras. Le gras, on sait bien le digérer, il n'y a pas de problème. Une cellule végétale, elle est faite de cellulose. Et la cellulose, il eh ben, euh, y a des personnes qui arrivent à casser cette euh, membrane de cellulose et il y en a d'autres qui en sont incapables. La cellulose, les bactéries elles savent très bien euh, faire ça. On n'a pas de cellulase comme l'ont certains, euh, certains animaux. Donc, voilà, c'est Donc, un problème pour certaines personnes. Elles vont manger des, euh, des légumineuses, des lentilles, des haricots, en pensant que ça va combler leurs besoins en protéines, alors que c'est faux. Voilà. Donc, attention, les protéines végétales ne sont absolument pas équivalentes en termes d'assimilation que les protéines animales. Absolument pas. Bon, Donc, vous voyez ce que je conseille, c'est hyper simple. Voilà. Alors, les fruits, on en fait quoi Les fruits. C'est de l'eau, du sucre, de l'acidité, et puis le reste, on s'en fout. Voilà. Les vitamines, les minéraux, on n'en parlait pas, on s'en fout. C'est en quantité infime. C'est surtout de l'eau et du sucre et de l'acidité, les fruits. C'est ça qui représente 99% de ce que vous allez manger. Il hein, y a beaucoup de gens qui se focalisent sur le moins de 1%. Euh, je suis désolé. Moi, quand je mange un truc, ce qui m'intéresse quand même, c'est 99%. Le 1%... Hein, euh, si on se focalise que là-dessus, ça n'a pas de sens donc pourquoi vous mangez des fruits bah parce que c'est sucré tout simplement c'est la, la seule raison pour laquelle on mange des fruits c'est pour le sucre que ça nous apporte parce que vous enlevez le sucre des fruits mais il n'y a pas une personne qui mangera des fruits donc les fruits, c'est pas du tout obligatoire les 1%, bah, vous les trouvez dans les légumes hein. alors 1, 2, 3, bon j'en sais rien, peu importe mais en tout cas, cette quantité de nutriments, de micronutriments, d'oligoéléments, de vitamines, de minéraux. Vous en avez autant ou plus dans les légumes. Pourquoi vous mangez plutôt des fruits et pas assez de légumes Parce que c'est quand même la plupart des gens, c'est ça. Ben, c'est parce que dans les légumes il n'y a pas de fruits et puis il euh, y a pas de sucre et, euh, et dans les fruits il y a plein de sucre. Donc faut pas se leurrer. Euh, les fruits c'est absolument pas obligatoire. On n'est pas obligé de manger du sucre. Les fruits pour les tempéraments frileux c'est déconseillé. Les tempéraments minces et frileux, c'est vraiment déconseillé. Les personnes dévitalisées, c'est super déconseillé. Et puis, c'est encore plus déconseillé en hiver quand il fait froid. Voilà. Donc, les fruits, pourquoi pas euh, Alors, à volonté, éventuellement, pour les tempéraments sanguins, les personnes qui ont, qui ont toujours chaud, qui sont, euh, qui sont souvent en surpoids, OK. Mais pour les tempéraments, pour les autres tempéraments, ce n'est pas du tout obligé. Donc, quand il fait chaud en été, OK. En hiver, c'est... Euh, moi, je n'en mange pas. Très sincèrement, je n'en mange pas. Ou alors, une pomme une fois par mois. Mais ce n'est pas du tout euh, une obligation. Donc, aujourd'hui, on nous fait croire qu'on a besoin... Alors, évidemment, la France est un grand producteur de fruits. Donc, il faut bien écouler les fruits euh, qu'on produit. Donc, euh, le discours officiel, forcément, eh bien n'est pas complètement neutre. Euh, voilà. Alors, je vois que du coup, j'ai pas regardé les commentaires là, de tout à l'heure. Bon, alors, il y a eu évidemment des commentaires sur le Covid. Euh, donc, posez vos questions qui ont rapport l'alimentation hein, en, en dessous. Euh, alors là, je vois qu'il y a un commentaire de quelqu'un en russe. Euh, je sais pas ce que c'est ce truc, mais bon, je sais pas si c'est un robot ou un humain qui a écrit. Euh... Ah, Gabriel qui nous dit qu'il mange des dates en ce moment. Ben, les dates, c'est des bonbons, hein, on est d'accord. Alors pour la langue de bœuf, tu fais quoi comme sauce Bah ben, écoute, je sais pas, euh, Claudie, je sais pas encore. Je verrai bien. Je fais euh, au feeling, je verrai bien ce que je ferai. Alors les bananes, c'est des, alors c'est du sucre euh, aussi, hein, mais c'est pas acide. Voilà Dans les bananes, vous avez moins d'eau que dans les fruits à queue. Euh, à queue dans le sens, euh, pas avec une queue, hein, mais euh, riche en eau. Et euh, c'est un fruit amylacé, donc avec des sucres euh, semi-complexes ou euh, un tout petit peu plus complexes que des sucres simples. Et voilà. Bon, alors la banane, bon, moi j'en mange pas parce que c'est toujours pareil, hein, c'est des choses qui viennent de loin, c'est pas fabriqué en France métropolitaine. Moi j'habite en France métropolitaine. Donc euh, bon, j'en consomme pas pour des raisons écologiques. Et, euh, et puis ça reste du sucre, quoi. Ça reste du sucre. Donc on mange trop de sucre. Retenez ça. Regardez ce que vous mangez en termes de céréales, de légumineuses et de choses qui ont un goût sucré. Regardez. Le matin, les encas, le midi, le goûter, le soir, après le repas du soir. Regardez un petit peu. Et il y a des personnes qui en mangent à chaque repas. Ben, C'est trop. Bon, le miel, c'est quoi Le miel, bon, déjà, ce n'est pas un truc qui est fait pour les humains. Le J'ai fait une vidéo dessus, mais je résume en trois mots. Le miel, c'est un truc qui est fait pour les abeilles. Les abeilles, elles produisent le miel qui, après, va servir à nourrir les larves. Voilà, ça sert à ça, le miel. Après, les humains, ils ont dit, bon, bah, ce serait bien que nous, on bouffe le miel, parce que c'est bon, c'est super sucré. Et... Voilà. Euh, le miel, c'est 70% de sucre avec beaucoup de fructose. Le fructose, c'est un sucre particulier qui a la différence du, du glucose a besoin d'être métabolisé par le foie pour être utilisé. Les personnes qui ont un foie faiblard eh ben, vont avoir des problèmes et ce fructose peut euh, devenir un petit poison qui va euh, poser des problèmes dans le corps. Donc attention. Euh, voilà Le miel, c'est euh, pareil. Alors, les gens ils vont me dire « Oui, mais le miel, c'est bon pour la santé. » mais dans le miel, vous avez euh, de la propolis. Prenez de la propolis. Prenez de la propolis. Le miel, c'est intéressant en externe pour les plaies, les plaies qui ne cicatrisent pas. Alors, il y a des personnes amputées qui ont utilisé du miel pour que le moignon cicatrise. Euh, il y a des hôpitaux à, à, en France qui ont fait des expériences là-dessus euh, très intéressantes. Donc, le miel, c'est un intérêt en externe. En interne, euh, il y a des petites choses intéressantes, mais par contre, il y a des grandes choses. C'est du sucre. C'est que vous avez bouffé du sucre. Voilà. Bon. Euh... Ok. Alors on me demande, euh, Jujo euh, les céréales sont-elles si mauvaises que ce que l'on dit du coup, puisque même euh, si des actes, d'idées je red... Pff, attends, je comprends. Pas. Écoutez, euh, essayez de prenez votre temps quand vous écrivez, mais essayez de me faire des mots euh, qui existent dans le dictionnaire. Alors attends. Euh... Même si désagdité, je ne sais pas ce que tu veux dire, je refinis par en ressortir de nouveau le besoin. Alors, les céréales, euh, dans la nature, ça n'existe pas en cet état. Allez voir l'avoine sauvage, les trois petites graines qu'il y a sur l'avoine sauvage, euh, avant que vous arriviez à faire des flocons d'avoine avec ça, ça va être compliqué. Hein. Donc, les, euh, les céréales dans la nature, ça n'existe pas euh, qu'on puisse consommer. Donc, c'est l'humain qui, au cours de milliers et de milliers d'années, eh bien, on a créé des variétés. Et puis, de, en 100 ans, là, on a créé des variétés. C'est plutôt des Frankenstein variétés. Donc, c'est créé par l'homme, déjà. Bon, en même temps, les fruits et les légumes, hein, c'est pareil. Entre ce qui existe aujourd'hui et ce qui existait dans la nature, bon, ça a été créé par l'homme. Euh, les céréales, leur rôle, c'est de lutter contre la famine. Donc, c'est très bien pour qu'une population grandisse, c'est très bien pour lutter contre la famine, mais pour autant, c'est pas un bon aliment. Et puis, c'est surtout que cet aliment est devenu omniprésent et les gens en mangent trop. Est-ce que vous comprenez le mot trop Parce que moi, quand je dis diminuer la quantité de glucides, diminuer la quantité de céréales, euh, les gens comprennent supprimer. Enfin, pourtant, je, je pense parler Français. Vous, la plupart des gens en mangent trop, comme j'ai dit, matin, midi, soir, collation, trop. Voilà. Donc diminuer, ça veut dire faire des repas sans. Vous pouvez faire des repas avec une céréale et des repas sans. Vous pouvez diminuer la quantité à chaque repas. Hein, au lieu de prendre ça, eh ben vous prenez plus que ça. Mangez-en moins. Mangez du coup plus de légumes, un peu plus de bons gras mais mangez moins de céréales. La plupart des gens en mangent trop. C'est quoi le problème Si vous mangez trop de sucre, sucre simple, sucre complexe, vous allez avoir un taux de sucre dans le sang qui va être élevé tout le temps, parce que vous en mangez matin, midi, soir, tout le temps. Niveau de sucre trop élevé, du coup, entraîne une production d'insuline qui sert à baisser ce taux de sucre dans le sang. C'est absolument vital. Le corps, il est obligé de faire ça sans quoi ce, ce sucre, il va poser des problèmes, notamment aux petits vaisseaux. Euh, et cette insuline qui va être toujours trop élevée pour les gens qui consomment trop de glucides, euh, des céréales et des choses qui ont un goût sucré, cette insuline, déjà, c'est une hormone de stockage, ça veut dire qu'elle va entraîner euh, un, une prise de poids de la plupart des gens. Et puis, c'est une hormone pro-inflammatoire qui va favoriser tout un tas de maladies en HIT. Donc, il y a plein de problèmes avec ça. Et sans compter les problèmes que ça a sur le système nerveux central et les maladies neurodégénératives. Donc, c'est un vrai problème. Voilà. C'est un vrai problème, sauf que c'est insidieux. On s'en rend pas compte. Ça met des dizaines d'années à se mettre en place. Et qu'aujourd'hui, on voit une épidémie de diabète. Et vraiment une épidémie. C'est que la courbe, elle monte comme ça. Euh... On voit une santé qui ne fait qu'empirer. Hein, euh, les gouvernements successifs, ils ont beau dire ce qu'ils veulent, ils ont, beau, ils ont beau faire ce qu'ils veulent. Moi, ce que je vois, c'est que entre maintenant et il y a 30 ans, je vois que les gens, ils ne sont, ils sont pas en meilleure santé. La médecine est censée progresser, tout est censé progresser. Il y a des, enfin, euh, c'est surtout que ça coûte de plus en plus cher de soigner les gens, mais les gens, ils ne sont pas en meilleure santé, loin de là. Et les personnes qui sont en à peu près bonne santé à 90 ans, et déjà il n'y en a pas beaucoup. Mais ces personnes qui sont nées au début du XXe siècle, autant vous dire que ceux qui sont nés là maintenant, euh, mais ils atteindront jamais cet âge. On pense que, enfin, ils sont pas moi, les scientifiques pensent que ceux qui sont nés euh, là euh, début du XXIe siècle, il y a des chances qu'ils meurent avant leurs parents et qu'ils aient des problèmes de santé graves avant leurs parents. Voilà, ça fait un peu peur quand même. Hein euh, bon, je pense que j'ai résumé à peu près euh, les choses. Alors, sans plus attendre, nous allons passer aux questions. Alors, hop. Donc, euh... attends, je fais quoi moi Je fais ça et je fais ça. Voilà. Attends. Non, il faut que je reclique un coup. Voilà. Alors c'est mieux quand même le bleu. Hein. Je ne vous ai pas demandé si vous préfériez, mais bon, j'ai mis du bleu pour que ça se voit, mais c'est surtout euh, que c'est plus gros en fait. J'ai mis une écriture plus grosse. Euh... Voilà, parce que la plupart des messages ne sont pas trop longs, donc ils tiennent dans ce petit rectangle. Et comme je n'ai pas eu le temps de faire un script qui va adapter la taille de la police en fonction... De la taille du texte, ben pour l'instant, voilà, j'ai défini une taille, et puis c'est comme ça, parce que c'est moi qui programme tout, euh, tous ces trucs-là. Là, euh, c'est moi qui, 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 qui ai fait tout ça de mes petites mains. Bon, alors, euh, ben la première question, vous la voyez comme moi. Alors attendez, hop, moi je vais faire ça. Voilà. Alors bonsoir David, et merci pour tous les conseils prodigués avec mesure dans la voie du milieu loin des idéologies. Tu nous parles de ton repas de midi, mais jamais du soir, ce repas me pose un problème concernant les protéines animales. On dit qu'elles perturbent le sommeil. Je ne parle pas des produits laitiers que je ne mange plus. Pourrais-tu nous en dire plus Alors, c'est une très bonne question, Frédéric, euh, qui est une femme. Frédéric. Alors, mon repas du soir, c'est simple. J'en parle parfois, parce que des fois, je vous dis, bon, je vais aller manger ma soupe. Donc, je me fais une soupe, euh, bah, le bouillon... Euh, que j'ai mangé à midi, ben en fait c'est la même soupe, sauf que le soir je prends moins de bouillon et plein de légumes. Alors en théorie, ça, ça suffirait largement, voire même ne pas manger, ça suffirait largement. Euh, physiquement, en tout cas pour moi. Psychiquement, non. J'ai envie de manger. Et euh, depuis le début de, de cette histoire de Covid, j'ai euh, des des envies que je n'avais pas avant, qui sont apparues. Alors, on a mangé des, des chips, on a mangé plein de saloperies avec François. Et le soir, j'ai envie de manger du sucré. Alors, pour autant, je vais pas manger n'importe quoi, je vais pas faire n'importe quoi. J'ai essayé de trouver voilà un, un juste équilibre, pour pas que ce soit quelque chose qui me flingue la digestion, que je mette trois heures à digérer, qui soit vraiment pourri. Donc, euh, parfois... alors je me prends ma soupe. Alors attention, la soupe, s'il y a trop de liquide, par exemple François, lui, son estomac il produit pas assez d'acidité, il a du mal. Et s'il mange trop de liquide, il va avoir des remontées acides. Et il y a plein de gens comme ça, attention. Des fois la soupe du soir elle va favoriser les remontées acides. Donc dans ces cas-là, il ne faut pas prendre une grosse assiette avec du bouillon, vous mangez plutôt les légumes et avec un tout petit peu de bouillon, sinon remontées acide. Parce qu'en en fait, cet excédent de bouillon va diluer les sucs gastriques. Et le peu d'acidité que la personne va produire, eh bien, va être diluée dans, dans le bouillon. Donc le bouillon, alors ce qui se passe, en fait, le mécanisme, il est simple. Quand votre production d'acidité est suffisamment importante au niveau de l'estomac, le sphincter que vous avez euh, en haut de l'estomac, il se ferme automatiquement, pour éviter que cette acidité vienne brûler l'osophage. Mais si l'acidité n'est pas assez euh, forte, eh bien, ce sphincter, il va s'ouvrir. Et c'est pour ça que vous avez des remontées acides. Mais sauf que c'est beaucoup moins acide que l'acidité qu'il y aurait normalement. Puisque, au niveau de l'estomac, pour la digestion se passe correctement, il faut atteindre un pH très, 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 très acide, de 1,5 à peu près, entre 1,5 et 2. C'est extrêmement acide. Euh, par exemple, un pH de 2, 3, 4, 5, 6. Un pH de 2 est 10 mille fois, euh, oui, fois plus acide. Oui, hein, c'est ça, euh, 10 fois plus acide, c'est 10 fois 10 fois 10, 10 qu'un un pH de 6. Donc un pH de 2, c'est dix mille fois plus acide qu'un pH de 6. C'est une échelle logarithmique. Hein, quand vous passez euh, d'un pH de 6 à un pH de 5, c'est 10 fois plus acide. De 5 à 4, c'est encore 10 fois plus acide, donc de 4 à 6, c'est 100 fois plus acide. Donc euh, voilà, donc vous allez peut-être avoir un pH qui sera, je ne sais pas moi, de 3, ça va remonter, ou de 3,5, ça va remonter, ça va vous brûler l'œsophage, mais ce n'est pas aussi acide que, euh, que ça l'est normalement. Donc vous pouvez croire que vous avez trop d'acidité. Non, c'est pas assez d'acidité. Euh, alors, oui, donc. Mon repas du soir, alors je me prends ça, une soupe avec du bouillon. J'aime bien parce que ça réhydrate, et puis bon voilà, c'est je me fais un gros chaudron. J'en ai presque pour une semaine, et comme ça j'ai pas à cuisiner, j'ai juste à me le faire réchauffer. Ensuite, ce que je me fais, alors il y a des fois je me fais des petits craquages de fromage. Euh, donc j'achète un bon fromage, un bon comté, un bon comté à 18 mois, c'est super bon. Très goûteux, il n'y a pas besoin d'en manger beaucoup ou un bon gruyère alors bon c'est un peu la version suisse hein, mais mais il y a des bons gruyères vraiment très bons et mais le comté c'est vraiment un fromage que j'aime beaucoup parce que c'est un fromage qui contient quasiment pas de lactose c'est un fromage euh, s'il est bien fait en fait les vaches elles ont pâturé donc euh, c'est pas des vaches qui ont été enfermées dans des étables à, à manger des granulés voilà, donc c'est un fromage encore avec une AOP, avec euh, une, une qualité de fabrication euh, particulièrement bonne. Euh, voilà, donc je peux manger du fromage. Alors généralement, je ne mange pas de pain, euh, ou c'est rare. Là, tu, là, là, pour vous donner un exemple, hein, je vais vous, vous dire ce que j'ai fait là depuis, euh, je sais pas, deux semaines, c'est que je m'achète euh, du pain des fleurs, donc du pain des fleurs. C'est un procédé euh, qui dénature complètement la farine de sarrasin. On appelle l'extrudation, je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin, en tout cas, elle est extrudée, cette, cette farine de sarrasin. Donc, ce n'est euh, pas un bon aliment. Ça fait que l'index glycémique de ce pain des fleurs, il explose. C'est plus que du sucre blanc. Donc, ce n'est pas un bon aliment. Voilà, ce n'est pas un bon aliment, c'est un aliment de craquage. Mais bon. Dans les aliments de craquage, il bah, faut bien faire un choix. Donc euh, voilà, bon ça va être une petite période et puis après on va arrêter parce que voilà, on va devenir accro. Euh... Donc voilà, du pain des fleurs. Alors moi, des fois, je prends ça avec du beurre et un petit peu de chocolat noir. Et ce que je me fais quand j'ai envie d'un dessert sucré, je me fais. Alors je prends un bocal, je mets euh, une cuillère à soupe. D'eau de, salée. Alors j'ai une bouteille, je mets, euh, rem, je mets un quart dans cette bouteille, c'est du sel, du gros sel de mer, et ensuite je remplis d'eau. J'agite, et donc mon eau elle est saturée en sel. Et je vais utiliser ça pour la cuisine, comme ça j'ai la bonne quantité de sel. Et du coup, je mets une cuillère à soupe de cette eau qui me correspond à ce qu'il faut en sel pour ma préparation. Euh, je mets, je sais pas combien d'eau, peut-être, euh, je remplis un grand bocal. Euh, un quart d'eau, je mets 3 ou 4 œufs, un petit peu de fécule de, de pommes de terre bio, et 3 ou, euh, non, 3 ou 4 j'ai dit, et euh, du sucre complet de cuir à soupe. Et ça, je le fais cuire dans une poêle avec un couvercle à feu très doux, et ça fait un peu comme une crème aux œufs. Voilà, alors c'est le dessert que je mange. Euh, voilà, j'ai besoin de ça, et j'ai conscience, et il y, y a plein de gens... Euh, qui ont besoin de faire des craquages, de compenser, il y a des périodes pas évidentes, et voilà, au lieu de soigner notre émotionnel, on utilise la nourriture pour faire ça. Bon. Voilà, donc je suis comme tout le monde. Voilà, c'est ma façon de faire, c'est comme ça que j'ai trouvé mon équilibre. Mais bon, voilà, mon repas du soir, c'est toujours une soupe. Une soupe avec des légumes, et je mange beaucoup de légumes. C'est vrai que je mange beaucoup de légumes. Je pense que je suis un des humains sur Terre qui doit manger le plus de légumes, entre les légumes crus, les légumes cuits, et des légumes de saison, évidemment. Hein. Je ne fais pas vite faire. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui parlait une gros Grosjean qui conseille des fruits qui viennent de l'autre bout de la planète. Elle, ses considérations écologiques, c'est peanuts, hein. Elle s'en fout complètement de l'écologie, elle s'en fout complètement de la planète, elle s'en fout complètement des gens qui ont travaillé pour extraire les noix de cajou qu'elle conseille à tout va. Bon, moi, j'ai une autre vision des choses. Alors, autre question. Euh, une question de Gabriel. Alors, voici quelques aliments qui suscitent en moi des questionnements. Alors, bon ou mauvais, le vin en quantité modérée. Alors, le vin le problème c'est que ça contient de l'alcool dès le premier verre l'alcool est toxique pour le foie toutes les études qui ont tenté de démontrer le contraire ce sont toutes sans exception des études qui ont été payées par l'industrie du vin les vraies études indépendantes elles montrent que le vin et donc l'alcool qui contient est toxique pour le foie dès le premier verre il faut en avoir conscience le vin c'est ensuite un euh, une boisson acide qui est très acide donc si vous buvez du vin avec du pain euh, des pâtes, du riz, des pommes de terre vous allez neutraliser l'action de la salive et donc votre salive ne pourra pas digérer ces féculents, c'est bien dommage parce que du coup vous allez mal les digérer alors bon l'histoire du french paradoxe bon, ça n'a rien à voir avec le vin, il faut oublier ça c'est du pipeau hein, c'est autre chose euh, Dada. Ok. Eh ben oui. Bon. Alors justement, tu le dis. Voilà. Bon pour le French paradox ou mauvais dès le premier heure de vin. Voilà, j'ai répondu à ta question. Les œufs en quelle quantité journalière La quantité que tu veux. C'est très simple. Si t en manges trop, tu auras tellement la nausée euh, que tu pourras pas. Euh, tu pourras pas en manger. Voilà. C'est que les les œufs ont, ont cette euh, faculté de, de, de vous dégoûter si vous en mangez vraiment trop. Protéines idéale pour certains. De cholestérol pour d'autres. Bon, euh, alors des fois qu'on dit protéines idéale, moi j'ai des gens qui me disent euh, je ne mange que des œufs ou je ne mange que du poulet. Alors ça n'existe pas une protéine idéale, c'est juste une protéine de référence. Elle est utilisée comme protéine de référence, mais manger que des œufs ça n'a pas de sens parce qu'elle va contenir certains nutriments en petite quantité. Donc c'est important de manger de tout, de manger du muscle, de manger de la peau de manger même les cartilages. Ma grand-mère, faisait ça et du coup, j'essaie de le faire. Hein, ronger un os de poulet et manger les articulations qui y a au, au bout de l'os. Euh, manger des abats comme du foie, du cœur. Euh, alors moi, je mange aussi les coucounettes de mes poulets parce que tous les abats qui peuvent être mangés, ben, je les cuisine. Et bon, alors ça doit contenir beaucoup de zinc, des trucs intéressants. Mais euh, voilà, manger de tout, varier, Alors vous voyez, là, je vous ai parlé tout à l'heure de la langue de bœuf. C'est un truc qui est pas cher, euh, que j'ai acheté pour tester, j'en ai jamais cuisiné, et puis bon, je verrai bien. Alors après, il y a le problème de la cuisson, parce qu'une cuisson trop longue, c'est systématiquement associé à des protéines qui vont être transformées et qui vont être indigestes. Et ça, vraiment, je l'ai remarqué, je le remarque toujours, la viande d'un pot au feu, elle devient indigeste. Alors les personnes qui sont peu sensibles, qui n'écoutent pas leur corps, ne vont pas s'en rendre compte. Mais entre un steak haché... Hein, manger un steak haché le midi. Moi, moi, je fais ça, mais de temps en temps, la différence, elle est flagrante. Un steak haché qui est bleu, donc la viande, elle est crue au cœur. Euh, et puis, une viande de pot-au-feu. Mais quand j'arrive au repas du soir, j'ai encore des rototos du pot-au-feu, parce, ben parce que mon corps, il n'a pas été capable de le digérer. Alors que le steak haché, je peux vous dire qu'il passe sans problème. Alors ensuite, on ne voit pas les autres trucs, vous ne voyez pas l'écran, parce que ça, ça dépasse. Hmm. Sinon, il faudrait que je mette une barre que je puisse faire défiler en hauteur, peut-être. Je réfléchirai à ça plus tard. Purée d'oléagineux, bon. Alors les oléagineux, euh, les purées d'oléagineux font qu'on va avoir tendance à en manger trop. Voilà, c'est sous une forme, c'est transformé, c'est facile à manger, on peut en manger un demi-pot sans problème. Bon, on va en manger trop. Les oléagineux, ils sont riches en antinutriments. Que les faire tremper, ça ne sert à rien. Que les purées d'oléagineux, de toute façon, vous n'allez pas pouvoir la faire tremper. Donc, pour certaines personnes, il y aura trop de phosphore dans ces purées d'oléagineux. Euh... Bon, en petite quantité, pourquoi pas. Euh... Mais euh... ce que je remarque, c'est que les gens qui en mangent régulièrement, ce sont des gens qui sont carencés en protéines et qui ne mangent pas assez de protéines animales. C'est souvent un, un symptôme. Trop d'oléagineux ou de purée d'oléagineux, ça va souvent de pair avec une personne qui veut pas manger euh, la viande dont son corps a besoin, ou les protéines animales dont son corps a besoin. Elle se restreint, et du coup, elle va compenser sur ce qu'elle s'autorise en pensant que c'est un bon aliment. Alors que ça ne va absolument pas compenser des protéines animales. Mais alors, absolument pas. Et ça peut avoir plein de problèmes, des problèmes digestifs parce que c'est hyper dur à digérer. Euh, Ce n'est pas un bon aliment pour moi. En tout cas, ça ne fait pas partie des aliments de base. Les petits trucs en dehors de temps en temps, pourquoi pas. Voilà, euh, quelques noisettes, quelques amandes, quelques noix, oui. Euh, les noix du Brésil, oubliées, c'est vraiment une cochonnerie. Voilà. Euh, le café, le thé, le chocolat. Bon, alors le thé vert, ok. Le café en petite quantité, pourquoi pas. Une ou deux tasses par jour. Le chocolat en petite quantité, pourquoi pas. Alors, même, c'est pas des bons aliments en théorie, hein, on est d'accord. Mais bon, pourquoi pas. Voilà. Euh, moi, en tout cas, en consultation, euh, je vais pas dire aux gens d'arrêter euh, ça. Euh, non, c'est pas la peine. Il y a des choses beaucoup plus importantes. Si déjà les gens arrivent à avoir une alimentation qui correspond en majorité à leurs besoins, je ne vais pas les emmerder avec un petit café ou un petit café du matin. Ou... Bon, hein, on est d'accord. Euh, la levure de bière, alors levure de bière, ça aussi, les gens qui en mangent beaucoup, c'est des gens qui souvent ne mangent pas suffisamment de protéines animales et qui vont compenser avec quelque chose qui est beaucoup trop riche en protéines. C'est pas un bon aliment, c'est un condiment qui devient assez addictif. Donc euh, attention, voilà. Alors bon pour le microbiote, non, aucun impact. Un hein, levure de bière que vous mangez. Dans vos repas, euh, ce n'est pas de la levure de bière active, elle a été... Euh, euh, les levures ont été tuées. Donc elle n'est pas du tout revivifiable, donc c'est euh, des protéines, essentiellement avec un peu de sucre, enfin de glucides. L'huile de coco, nous ne sommes pas. Euh, en tout cas en France métropolitaine, la plupart des gens, euh, de génération en génération, n'ont pas mangé de cette huile. Donc euh, j'ai mis euh, un doute sur cette huile. Euh, c'est quelque chose qu'on consomme. Là, c'est une mode depuis une dizaine d'années. Bon. Euh, moi, j'ai testé et instinctivement, ça me plaît pas. Il y a quelque chose qui me plaît pas. Donc, suivez votre instinct, mais pour moi, c'est pas une bonne huile. Voilà. Est-ce est que c'est bon pour les acides gras chaîne moyenne ou mauvais car trop de graisses saturées euh, Bon, voilà. Donc, euh, c'est toujours pareil. C'est que un aliment comme l'huile de coco contient effectivement des acides gras à chaîne moyenne mais contient d'autres choses et que peut-être que ces autres, cho autres choses peuvent poser plus de problèmes qu'autre chose <laughs> bon bizarre comment je parle alors autre question que penses-tu du boudin on me demande Marie Alexandra alors le boudin ça reste quand même une charcuterie hein ce n'est pas de la viande alors moi quand je conseille des protéines animales c'est que des protéines brutes, la viande, du poisson cru, non transformé, brut. Voilà, c'est ça en fait, protéines animales de qualité, c'est ça et de qualité avec des origines, pas de la viande de laitière industrielle, bon, des bons trucs quoi. Donc le boudin, c'est la charcuterie. Alors moi, ce que je remarque souvent euh, quand je mange du boudin de temps en temps, c'est qu'il y a quand même un goût de rance qui me gêne un petit peu. Je pense que le boudin qui vient d'être fait, euh, pourquoi pas. Mais euh, le problème, c'est que souvent, il traîne pendant des jours et des jours et il a un goût euh, qui est pas normal. Je suis hyper sensible au goût et tout ça et j'ai un, un vrai détecteur de, je sais pas quoi. Donc euh, bon, le boudin, ça pourrait être pas mal, mais il y a ce truc là qui me gêne. Ok, euh, tchut tchut. bon, alors, autre question. Donc, on a dit, Gilles. Alors, euh, mis à part les signes visibles tels que les ballonnements, état et fréquence des sels, la peau, etc., comment écouter efficacement son corps afin de savoir si l'alimentation actuelle est adaptée Bon. Alors, bon, a priori, déjà, quelqu'un qui aurait des sels trop liquides, genre euh, type un peu diarrhée tout le temps. J'en connais qui ont, ça tout, qui ont eu ça toute leur vie. Bon, déjà, c'est pas normal. Hein. Euh, avoir des gaz et des ballonnements tout le temps. Alors, un petit peu de gaz, c'est normal, d'autant plus si on mange euh, des végétaux. Mais, euh, mais voilà, être ballonné, avoir le ventre gonflé, ça, c'est pas normal. Déjà, c'est pas du tout normal. Aller trop souvent à la selle ou pas assez souvent, c'est pas normal non plus. Euh, avoir une peau qui a des boutons partout, c'est pas normal non plus. Ou une sale peau, enfin voilà, c'est pas normal. Il y a des choses, c'est clairement pas normal. Euh... En gros, un suivi, mes lignes directrices, c'est-à-dire. Légumes crus, légumes cuits, diminuer les féculents, augmenter un peu le bon gras, une protéine animale de qualité, et voilà. En fonction de votre âge, de... alors plus vous vieillissez, plus vous avez besoin de protéines animales. Et malheureusement, c'est le contraire que la plupart font. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui avancent en âge, des personnes âgées, qui ne mangent pas cette protéine animale, qui du coup vont avoir une fonte musculaire encore plus importante. Donc euh, c'est pas une bonne idée et pour le coup, c'est pas bon pour la santé. C'est pas parce qu'il y en a qui se gaffe de protéines animales de mauvaise qualité souvent, avec plein de charcuterie. Euh, et donc il y a un excès qu'il faut passer dans l'extrême opposé. C'est pas parce que trop de protéines animales c'est mauvais, que pas de protéines animales, c'est bon. non, pas déjà c'est pas logique, c'est pas logique au niveau mathématique. Non, trop de protéines animales, c'est mauvais, donc on diminue. Voilà, on diminue. Mais supprimer, c'est mauvais aussi. Ou, aussi. ou ne pas en manger à, à assez, c'est aussi un problème. Euh... Alors, pourquoi les noix ne sont pas intéressantes Il me semble que Robert Masson les conseillait pour le sélénium. Alors, j'ai parlé avec Jean-Brice un peu de Robert Masson. Bon, comme beaucoup d'anciens naturopathes, alors il est décédé euh, il y a deux ans, je crois fait Une vidéo dessus, euh, moi ce que j'ai remarqué quand je l'ai vu il y, a, il y a quelques années, il y a cinq ans, je crois, à jean il donnait une conférence, c'est qu'il avait exactement le même discours que euh, moi quand j'ai fait mes études de naturopathie avec lui en 97. Et bon, il s'est quand même passé des choses. Et il y a beaucoup de vieux naturopathes entre guillemets qui ne se sont pas actualisés et qui sont restés sur euh, ce qu'ils avaient appris. Euh, bah, donc euh, Masson, par exemple, lui conseille de ne euh, jamais enlever un féculent d'un repas. Ce que moi, je fais maintenant depuis plusieurs années, et je me rends compte que euh, bah, ça m'a réussi beaucoup, beaucoup mieux que quand j'avais un féculent. Donc du coup, entre les conseils que Masson m'a donnés, hein, qui prodiguait dans ses cours, et puis la réalité, j'ai essayé d'autres choses, et je me rends compte que finalement, il y a certaines choses qui sont quand même pas mal. Donc voilà, donc je sais que Maçon il conseillait beaucoup les noix il conseillait l'huile de noix, sauf que quand vous regardez la composition de l'huile de noix, elle contient peu d'oméga 3 végétaux que euh, donc en moyenne 8 à 10 que ces oméga 3 euh, végétaux sont associés à beaucoup trop d'oméga 6 et que de toute façon le taux de conversion de ces oméga 3 dans l'huile de noix en EPA et en DHA est tellement faible que ça n'a pas d'intérêt en fait. Ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, donc, euh, ben voilà. Mais alors, arrêtez de manger, alors là on me dit, il me semble qu'envers maçon, les conseillers pour le sélénium. Arrêtez de vouloir manger un aliment pour le nutriment qu'il est censé consommer, euh, qu'il est censé euh, euh, avoir. On mange pas des noix parce qu'il y hein. a du sélénium, ça n'a pas de sens, arrêtez. Ayez une alimentation variée, vous demandez, de toute façon, vous n'êtes pas capable de savoir si vous êtes carencé en sélénium ou pas. Et vous n'êtes pas capable de savoir si quand vous mangez un aliment, vous allez manger trop de cet aliment, enfin, trop de sélénium qui contient dans cet aliment ou pas. Donc de toute façon, vous êtes, euh, vous, vous êtes aveugle dans ce domaine-là, vous ne savez pas, vous ne savez pas quels sont vos besoins, quelles sont vos réserves, ce que cet aliment va vous apporter, est-ce que vous allez être capable d'assimiler le sélénium qu'il y a dans cet aliment, vous savez à rien. Donc, arrêtez de vouloir manger des aliments pour les nutriments qu'ils conseillent. Ça n'a pas, qu'ils qu contiennent, ça n'a pas de sens. Manger varié, en fonction des saisons, un petit peu de tout. Et là, vous serez pas ou peu carencé. Mais arrêtez de, 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 de vouloir euh, euh, faire des choses euh, sans savoir. Et de toute façon, ça servirait à rien. Il faudrait que vous fassiez des analyses de sang. Quasiment toutes les semaines pour savoir comment varie votre taux. Et encore, quel est votre besoin à vous Parce que les analyses de sang, c'est une moyenne sur, euh, sur une population. Vous ne savez pas, vous, quels sont vos besoins réels. Donc, arrêtez. Voilà. Euh... Donc, bon, j'espère que je t'ai répondu, Gilles. Alors, une autre question qui m'est posée. Hop, voilà, ça apparaît. Alors, David, quand, quand parle-t-on d'aliments à énergie négative Peux-tu nous donner des exemples qui pourront être utilisés dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire pour une perte du poids, entre autres? Alors un aliment à énergie négative, alors je ne sais pas ce que c'est, je suppose que tu veux dire que c'est un aliment qui va te demander plus d'énergie à le digérer. Que ça va t'apporter d'énergie. Je rappelle que le processus de digestion, euh, là-dedans, là, on a une usine de raffinage des aliments. Hein, vous avez des euh, des, euh, des usines à raffiner le pétrole, hein, des raffineries. C'est qu'on part d'un pétrole brut et ensuite on a euh, de l'essence, du diesel, euh, euh, le bitume qu'on va mettre sur les routes. Voilà, au départ, on est du pétrole brut et puis on va le, le raffiner pour obtenir notamment le carburant qu'on met dans nos véhicules. L'énergie qui va faire fonctionner notre véhicule. Et là, pour notre corps, c'est pareil. On a une usine de raffinage qui est plus ou moins efficace suivant les individus et on va extraire de nos aliments de l'énergie et des nutriments. Et donc, il y a des aliments qui vont demander beaucoup plus d'énergie à digérer, mais. Par exemple, les protéines animales demandent pas mal d'énergie. Par contre, elles nous apportent des nutriments qui nous sont absolument vitaux. Donc attention à raisonner de cette façon-là. Encore une fois, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il y a des gens qui vont se dire, ah ben non, là, il y a... ça demande trop d'énergie. Et hop, je supprime cet aliment et je vais prendre que les aliments qui se gèrent vite. Bah, du coup, enfin, vite et qui ne demandent pas beaucoup d'énergie. Du coup, vous allez manger que des fruits et puis des légumes. C'est tout. Ça n'a pas de sens. Donc non, on ne fait pas ça. Alors, Ludovic, Ludovic, bonsoir David, merci pour ce live. Pourrais-tu refaire le point sur le type de soja que tu conseilles de manger Lactofermenté, fermenté, sauce, pousse Alors, déjà, il y a deux choses différentes. Les germes de soja que tu manges dans ta salade ou qu'il y a dans tes nems ou dans tes rouleaux, dans tes rouleaux de printemps, voilà, c'est ce que je cherchais. Euh, ce n'est pas du soja, c'est du haricot mungo, donc ce n'est pas la même chose. Le soja, quand on parle de soja, c'est une légumineuse qui est utilisée pour faire du tofu, pour faire du lait de soja, pour faire du miso, pour faire de la sauce de soja, euh, donc le tamari, ou la sauce de soja, une autre qu'on appelle le shoyu qui contient du soja et du blé. Parmi tous ces produits, il y en a qui sont fermentés, d'autres pas. La lactofermentation va permettre de supprimer une partie des antinutriments, une partie des anti-hormones thyroïdiennes, une partie des phytohormones. Voilà. Donc euh, manger des, alors la, le tamari, c'est une sauce de soja lactofermentée, et puis c'est un condiment. Hein, on ne va pas manger des tonnes. Euh, après euh, le miso, c'est pareil. Euh, et après, bah, écoutez, euh, voyez si c'est lactofermenté ou pas. Hein. Si c'est lactofermenté, c'est acide. Si c'est pas lactofermenté, c'est pas acide. Et il faut aussi que la lactofermentation soit suffisamment importante. Toujours est-il que le soja en tant qu'aliment, parce que le tamari, hein, la sauce de, de soja, euh, c'est un condiment. On en prend peu, on est d'accord. Hein. On va pas prendre 100 grammes de tamari par repas et par personne. Euh, donc c'est un condiment qui est lactofermenté. Donc, bon, on limite grandement la casse. Mais par contre, il y a des gens qui vont remplacer les protéines animales par du soja euh, sous forme de tofu non lactofermenté lacto en quantité importante, alors que leur organisme n'est pas du tout fait pour. Là, ça peut être un vrai problème. Donc, ils vont avoir plein d'antinutriments, des antihormones thyroïdiennes, euh, des phytohormones qui vont perturber euh, le système hormonal. Des hommes et des femmes, attention. Alors, donc, Naya, euh, je suis à la recherche de racines d'ortie en géules pour son action anti-inflammatoire puissante. Les gélules que vous proposez que de la racine d'ortie sont les gélules prostaphores pour la prostate. Étant une femme, cela pourrait être un problème de consommer ces gélules. Alors, non. Alors, au départ, c'est vrai qu'on a appelé le prostaphore euh, parce que c'était pour les hommes. Et on s'est rendu compte, après coup, que les trois plantes qu'on a mis dans le prostaphore, c'est les mêmes plantes qu'on pourrait conseiller aux femmes qui ont de l'acné en tant qu'adultes. Euh, ou alors qui ont euh, un déséquilibre hormonal qui peut entraîner euh, des problèmes de peau, bon, bref. Donc euh, c'est vrai que ce prostaphore, bah, il fait penser que c'est que pour les hommes, mais en fait, on va euh, peaufiner la fiche produit et on va mettre... On va essayer de trouver un moyen de mettre les indications aussi pour les femmes. Mais effectivement, notamment les femmes qui ont des poussées d'acné, des boutons en tant qu'adultes, c'est un produit qui, euh, qui est conseillé. Ariel. Alors j'ai des diarrhées depuis plus de 30 ans. Puis-je quand même manger des légumes crus au début de chacun des repas D'autre part, concernant tes compléments alimentaires, pourquoi est-il indiqué pour beaucoup d'entre eux de le prendre au début de repas Est-ce indispensable est-ce avant le repas ou après avoir mangé un peu Alors pour les compléments alimentaires, légalement, ben on est obligé de mettre une indication. Alors on peut mettre au début, on peut mettre au milieu, on peut mettre à la fin. Ça ne va rien changer. Donc tu peux les prendre quand tu veux. Au sujet de tes diarrhées, ben écoute, je ne sais pas pourquoi tu as ces diarrhées depuis plus de 30 ans. Il faudrait voir pourquoi. Est-ce que tu peux manger du cru euh, C'est à toi de tester. Tu fais des repas avec du cru et des repas sans cru. Tu vois si ça modifie ou pas euh, euh, tes selles. Fais des expériences. Alors, quand tu fais une expérience, par exemple, fais une semaine avec une crunité et une semaine sans. Il ne faut, faut pas faire un repas. Un seul repas, ce ne sera pas significatif. Donc, tu vas pouvoir tester comme ça et puis tu verras si ça a un impact. Moi, je ne peux pas répondre pour toi et puis il faudrait creuser pour voir ce qu'il y a derrière ça. Je ne sais pas. Alors, il y a Daniel là, dans le chat qui me dit quels sont les aliments évités pour éviter les douleurs gastriques. Alors c'est beaucoup trop vague et euh, c'est un peu médical donc je peux pas te répondre. C'est pas aussi simple que ça. Alors ensuite j'ai Ju qui me dit. Euh... Attends est-ce que j'ai bien? Ouais c'est ça. C'est bien la bonne qui s'affiche. Alors euh, d'un côté on dit que les petits poissons gras sont bons pour les oméga 3 et de l'autre on nous dit que c'est même poissons gras qui contiennent le plus de métaux lourds. Euh, dû à leur teneur en gras et en un... bon, on recommande de limiter la consommation. Alors de quel côté pencher Bon, alors les études montrent que quand même les oméga 3 ont un vrai bénéfice même si les poissons contiennent des métaux lourds. Les petits poissons contiennent bien moins de métaux lourds que les gros, qui ont une durée de vie de plusieurs années. Et donc ces gros poissons vont manger des poissons moyens, qui eux-mêmes vont manger des petits poissons. Et à chaque échelon, et bien, il y a un niveau de concentration de au moins x10. Donc du coup, les gros poissons carnassiers vont avoir peut-être 100 fois plus de métaux lourds que les petits poissons. Donc euh, non, la recommandation, elle est, elle est toujours bonne. Après, on ne vit pas dans un monde parfait. Et euh, de toute façon, tout est pollué. Donc on fait comme on peut. Mais moi, je recommande quand même de manger des petits poissons gras. Je le rappelle, euh, la sardine en boîte, parce que là encore, avec la discussion on a de l'ami euh, samedi, qui me disait ah mais les sardines en boîte, euh, euh, alors je lui dis euh, enfin non, elle me demande si c'est bon de manger euh, des sardines en boîte, je lui dis bah écoute euh, c'est indigeste, les protéines de la sardine sont indigestes, j'en veux pas, j'ai fait une vidéo dessus, regardez la vidéo si ça vous intéresse, mais je lui dis j'en veux pour preuve les arêtes, des arêtes fondantes, moi quand j'achète des sardines fraîches, quand je les fais cuire, mes, mes arêtes elles sont pas fondantes, là elles sont fondantes, c'est pas normal. Et ça prouve qu'il y a eu une cuisson élevée pendant longtemps et ou une température élevée qui permet de raccourcir le temps de cuisson, mais qui va dénaturer les protéines. Ce n'est pas normal qu'une arête soit fondante comme ça. Donc, euh, donc je dis ça, eh il dit, ah, mais les oméga 3, je dis, mais les oméga 3, c'est autre chose. Euh, les oméga 3 sont des acides gras qui, eux, euh, donc les protéines, ce sont des molécules tridimensionnelles qui vont changer de forme si la température est excessive. Trop longue, trop chaude, ou avec une température trop élevée. Donc, cette forme tridimensionnelle, elle change et nos enzymes ne sont plus capables de pouvoir identifier correctement ces protéines et donc de digérer ces protéines pour les couper en petits morceaux qu'on appelle des acides aminés. Les briques alimentaires qui composent ces protéines. Donc, les acides gras, c'est autre chose. Ce n'est pas du tout la même problématique. Donc, les oméga-3 des sardines, bon, ok, sont toujours présents. Peut-être en partie dénaturée, mais c'est pas la même chose. La sardine en boîte, si elle est indigeste, c'est à cause des protéines. Voilà, protéines qui ont été transformées par cette cuisson excessive. Euh... C'est sérieux l'interdiction de la vitamine D Bah écoute, Cédricus gallicinium, euh... bah, je ne sais pas, écoute, je sais que Fabien Moine en a parlé dans une vidéo récemment. Je sais pas. Euh, probablement, hein, s'il en parle, je pense que oui. Hein, sinon, il n'en parlerait pas. Carole me dit, que penses-tu des nouilles de konjac Alors, le konjac, c'est euh, en gros, les nouilles konjac, c'est en gros, c'est de l'eau qu'on a réussi à figer grâce à cette fibre de konjac. Donc, c'est quasiment pas calorique. Ça va leurrer le corps, ça va vous remplir, mais ça va leurrer le corps. Ça va apporter aucun nutriment, alors que les légumes, ils ont moins l'avantage de vous remplir un peu l'estomac mais de vous apporter des nutriments et puis surtout une saveur, parce que les nouilles de conjac, c'est quand même insipide. Pour moi, c'est un petit hack qui va tromper votre corps. Le risque, c'est que vous n'allez pas assez manger et que vous risquez de crever la dalle au repas suivant. Moi, je ne le conseille pas. Mais bon, de temps en temps, pourquoi pas. Hein. Raymond, 85 ans. Waouh. 85 ans. Bon. Euh, alors, je prends les. Donc, c'est enfin beau, voilà, c'est beau, 85 ans, euh, sur, sur YouTube, euh, poser une question et tout. Chapeau. Euh, je prends les Oméga 3 que j'avais achetés chez vous. Est-ce que je peux me passer de manger du poisson euh, Si vous me conseillez d'en manger, j'ai 86 ans et est-ce que je peux manger des poissons congelés Je mangerai rarement de la viande, une à deux fois par mois. Merci pour ce que vous faites pour nous aider. Alors, euh, donc. Raymond, si vous prenez des capsules d'oméga 3, vous n'avez pas besoin de manger du poisson. La quantité qu'on conseille permet de couvrir complètement les besoins d'à peu près tout le monde. Euh, il y a des exceptions, les grands sportifs. Bon. Mais en dehors de ça, euh, voilà, ça couvre les besoins. Et après, euh, oui, vous pouvez manger du poisson congelé, ok, euh, mais pensez quand même à manger euh, un peu d'autre de... que du poisson. Manger. Euh, Bon, ça peut se suffire, hein, mais peut-être manger un peu de viande de temps en temps, un peu de poulet, un peu de de ce que vous aimez, ce serait pas mal. C'est pour rester euh, pour avoir une alimentation suffisamment variée, surtout. Alors, ensuite, une question de Pierre Alain. Je suis tombé sur un livre aujourd'hui qui préconise qu'il ne faut pas faire l'impasse sur les produits laitiers. Moi, ça fait 25 ans que je ne consomme plus, excepté le beurre et l'occasion un peu de fromage. Alors que croire devant cette controverse Bah, écoute, les naturopathes, hein, euh, ils ont pu expérimenter que les gens qui consomment des produits laitiers au quotidien, euh, chez la très grande majorité des personnes, c'est un problème. Et comment on s'en rend compte Eh ben, quand on conseille à la personne de supprimer les produits laitiers et qu'on voit, qu'on constate qu'il y a une amélioration rapidement, généralement en quelques mois. Donc euh, voilà, c'est purement expérimental, mais tous les, na tous les naturopathes font cette expérience. Alors après, il y a des personnes qui euh, mangent des produits laitiers de merde, d'autres qui mangent des produits de qualité. Euh, il y a des personnes dont l'organisme va bien tolérer les produits laitiers, d'autres pas. À chacun de faire son expérience. Le seul problème, c'est que des fois, quand on s'en rend compte, c'est un petit peu tard. Donc attention. Voilà, attention. Moi, je sais que pour mon corps, c'est pas top, donc il faut que je fasse attention, que j'en mange pas trop. Que penses-tu des crustacés et coquillages bon, ça fait partie de la variété des aliments qu'on devrait manger. C'est très riche en certains nutriments. Bon, par contre, ça peut être riche aussi en saloperies qu'on fout dans la mer. Bon, voilà. Donc de temps en temps, ok. Fabien, euh, ça me fait penser. Je suis en train de regarder la série qui s'appelle Versailles. Et, et Fabien, c'est le, euh, comment dire, l'homme à tout faire du, de Louis XIV qui va assassiner les gens et qui va régler euh, certains problèmes de façon un peu barbare. Donc du coup, quand j'ai regardé cette série, je me suis dit, euh, putain, à chaque fois que je vais euh, rencontrer un Fabien, je vais penser au Fabien de la série Versailles. Donc désolé euh, Fabien, puisque tu es, euh, es un jeune homme, euh, tu peux rien, hein. Euh, bon, alors comment trouver assez de calories sans manger de glucides quand on fait beaucoup de sport ben C'est pas compliqué, tu augmentes le gras. C'est vraiment pas compliqué. Hein. Tu augmentes le gras. Voilà, tu manges plus de beurre, plus d'huile d'olive. Le gras qui y a naturellement dans les produits animaux, ben, tu le manges au lieu de le jeter. C'est en fait, c'est au départ, je, je, je me posais aussi cette question, mais finalement. Euh... Quand tu t'habitues à rajouter plus de gras, ça se fait très facilement. Et puis, le gras, il est quand même beaucoup plus dense hein, que les glucides. Euh, quelques cuillères à soupe de gras, ça t'amène un bon paquet de, de calories en plus. Après, euh, encore une fois, par expérience, il y a des personnes qui ont besoin d'un minimum de glucides pour bien fonctionner. Donc, c'est à toi de voir. Il y a des personnes qui n'en ont pas besoin, moi j'ai de la chance, j'en fais partie. Et puis il y a des personnes qui, euh, qui en ont besoin un petit peu, sinon euh, ça va pas. Très grande fatigue, euh, ils maigrissent, ça va pas. Mais bon, encore une fois, il faut tester pour voir dans quel camp on est. Alors Pascal, hein, vous déconseillez les fruits a priori, les chasseurs-cueilleurs mangeaient des fruits. <laughs> Sommes plus alors adaptés pour manger des fruits. Alors ça, ça me fait marrer parce que. Euh, Pascal, bah, mets-toi en mode chasseur-cueilleur en France là, et tu ne vas manger cet hiver, donc tu vas manger, je sais pas, du mois de novembre jusqu'à, je sais pas quand, que les fruits que tu vas trouver dans la nature. Bon, évidemment, tu vas crever la dalle parce qu'il n'y en a pas, ça n'existe pas. Hein, les derniers fruits, on trouve des kakis euh, euh, courant euh, décembre. Après, on peut trouver des fruits. Hein. Après, il y en a qui me parlent des oranges à Menton, des citrons à Menton. Oui, bon, enfin, c'était pas des trucs qu'on avait chez nous, mais euh, c'est un climat particulier euh, qui ne reflète pas le climat de, de la France. Donc, les chasseurs-cueilleurs, oui, quand ils vivaient près de l'équateur, il n'y avait pas de problème. Par contre, les chasseurs-cueilleurs qui vivaient ici en Europe, euh, ils avaient à peu près 80 de produits animaux dans leur alimentation. Donc euh, voilà. Et puis les fruits qui avaient euh, il y a 20 000 ans, 30 000 ans, 50 000 ans, euh, c'est pas euh, les espèces de, de trucs euh, qui sont de l'eau et du sucre. Hein, ça n'a rien à voir. C'était euh, des petites pommes qui étaient grosses comme des cerises, qui étaient hyper acides, qui étaient âpres. Ça n'a rien à voir. Je me suis un peu intéressé à ça parce qu'évidemment, il y a plein de gens qui me posent des questions. Donc je voulais voir à quoi ressemblaient les fruits euh, d'avant. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Et il n'y avait pas euh, la profusion. Alors, à part au niveau de l'équateur, hein, euh, là, il y avait euh, évidemment plus de fruits. Mais sinon, ici, il n'y avait rien. Alors, euh, mas... Mastique... J'ai une maladie euh, rectocolite hémorragique, chrone, mais que l'intestin et la nutrition m'aident énormément pour éviter les traitements chimiques. J'ai en gros une alimentation à 80% de fruits et légumes et 20% de graisses, protéines animales de qualité. Tu parles du sucre, mais pour le coup, d'un point de vue intestinal, les sucres simples sont vraiment... Alors je vous lis la suite... Euh... Attends, j'ai perdu mon truc. Eh bien, je ne sais plus où j'en suis. Ah oui, voilà, les sucres simples sont vraiment ce que j'arrive le mieux à digérer. Bien mieux que les protéines et les sucres complexes que j'ai presque entièrement supprimés, sauf parfois des patates douces. On est d'accord. Tu parles de toutes les maladies en heat provoquées par le sucre. Pour le coup, c'est l'une de mes principales sources de calories, surtout en hiver avec les fruits. Tu y vois un danger sur long terme. Mais tu es quand même dans un cadre très particulier. On est d'accord. Moi, je donne une... des conseils généraux pour. Pour la plupart des gens, mais euh, voilà, la rectocolite hémorragique c'est quand même un truc très particulier et donc qui euh, suppose d'avoir une alimentation particulière. Il faut faire des tests et euh, bon. Donc dans ton cas, bah, de toute façon, si t'as pas le choix, tu fais ça. Moi, je n'ai pas suivi de patient avec ce type de problème, donc je peux pas te parler. Euh, je peux pas te parler de mon expérience. Donc euh, je ne sais pas, il faut tester. Et... En fait, moi, quand j'ai un patient, je lui demande bah, tout ce qu'il a testé. Ça me permet de voir ce qui a fonctionné chez lui, ce qui n'a pas fonctionné et tout. Et, et puis, bah, du coup, de faire peut-être une synthèse et puis de voir ce qui peut-être pourrait l'aider. Bon, voilà, je ne peux pas t'en dire plus, mais écoute, si ça te convient pour l'instant, continue comme ça. Hein. Et puis, le fruit en lui-même. Ce n'est pas un mauvais aliment, c'est juste qu'il va prendre la place d'autres aliments qui, peut-être, seraient meilleurs pour, pour la plupart des gens. Et parmi les aliments qui pourraient être meilleurs, ce serait, à mon avis, les légumes. Alors, Tennessee. Euh... Bonsoir, David. Mon conjoint, 35 ans, mètre 81, est très sujet aux brûlures d'estomac. Il a remarqué que le vin blanc et les alcools blancs en général lui réussissent pas, ainsi que mes plats mijotés avec du vin. Alors ça c'est tout à fait normal. Y aurait-il d'autres aliments à éviter ou à privilégier aurait tu des conseils Alors c'est simple. Les plats mijotés avec du vin, c'est souvent des plats qui ont trop cuit, avec la viande qui a trop cuit. Le vin, c'est une boisson acide. Alors dans le vin blanc, tu as souvent aussi beaucoup de sulfite, donc attention. Euh, le vin, c'est une boisson acide, donc si tu... Associe ce plat mijoté avec des féculents, euh, il ne va pas digérer, il va avoir une indigestion, d'où les brûlures d'estomac. Donc c'est très simple. Euh, plat mijoté, c'est indigeste. Voilà. Il faut dire ce qui est, c'est indigeste. Euh, et donc pour lui, c'est vraiment indigeste. Pour certaines personnes, ça va être une mauvaise digestion pour d'autres personnes, ça va être complètement une très très mauvaise digestion. Donc à éviter. Mon conseil, eh ben écoute les, les conseils que j'ai donnés depuis le début. Et on va finir avec cette question parce qu'il est déjà 20h15 et j'ai envie de manger ma soupe. Alors il y a Kilian. Euh, bonjour David. Glucide et mauvaise haleine, y a-t-il un lien Oui, y a-t-il un lien Ça s'appelle une indigestion. C'est aussi simple que ça. Je l'ai expliqué, pour bien digérer un glucide complexe, eh bien, il faut que la salive puisse agir. Dès que tu mets de l'acidité, dès que tu bois un coca, que tu manges un fruit, de la tomate, de la sauce tomate, du vinaigre, du citron, tout ce qui est acide, ta salive va les neutraliser. Donc du coup, ton glucide la complexe, il va rester dans, son, dans ton estomac qui va produire plein d'acidité. Il n'y a pas d'enzyme autre que la salive pour prédigérer les glucides au niveau de l'estomac. Donc, du coup, il eh va ben, y avoir une jolie fermentation, ça va prendre une bonne odeur bien dégueulasse. Donc, voilà, la raison, elle est là c'est que les glucides complexes, si on les mange tout seul, il n'y a pas de problème. Si on les mange tout seul avec des légumes, il n'y a pas de problème. Si on les mange tout seul avec du gras, il n'y a pas de problème. Si on les mange tout seul avec des légumes et du gras, il n'y a pas de problème. Tout le reste, ça va poser plus ou moins des problèmes suivant les personnes. Et c'était la dernière. Fin des questions. Donc, hop. Alors, on a fini. Oh, ben tiens, je vais enlever ce truc. Paf, paf. On a fini pour ce soir. J'ai répondu à toutes les questions qui m'ont été posées dans le formulaire. Je n'ai pas répondu à toutes les questions du chat, mais comme je vous l'ai dit, hein, je ne peux pas tout voir. Et l'idée, c'est quand même de pouvoir les afficher à l'écran, parce que c'est plus sympa pour les gens qui suivent euh, ce live ou en direct ou en replay. Donc, je rappelle... Euh, pour ceux qui, pour celui ou celle qui va faire le plan, jusqu'à présent, les plans, ils sont faits assez rapidement, donc c'est vraiment super, merci à celles ou ceux qui réalisent les plans, euh, vous allez avoir tout à l'heure dans le replay, vous allez avoir le lien qui vous permet de faire le plan, podcast très rapidement, normalement, on se retrouve dans deux semaines, euh, dans deux semaines, je ne sais pas le combien on sera, mais on sera... Euh, Bon, bref, on sera le 1er février. Ok, le live avec euh, jean brice euh, ce sera peut-être d'ailleurs euh, 1er février. On le fera peut-être à ce moment-là. On verra. Bon, d'ici là, portez-vous bien. Et euh... eh ben, c'est tout pour ce soir. <laughs> Petit blanc, le temps que je trouve mon bouton, parce que je dois cliquer sur un bouton pour. Euh... Pour arrêter la diffusion. Donc portez-vous bien et puis à très vite euh, dans un nouveau live. Ciao!